Salut à toutes et à tous et bienvenue à la Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. On est très heureux de vous accueillir. Nous avons un premier sponsor qui est Oli. Regardez, on a plein d'échantillons différents. Si vous avez envie de vous régaler avec le citrus cobra ou alors avec, comment s'appelle lui? Comment s'appelle-t-elle? Raspberry vanilla. Ouais. Avec des antioxydants et des superfoods notamment. Avec des mucafs et des vitamines. C'est pas que énergie d'ailleurs. C'est, hein, pas que énergie, c'est aussi ouais, du thé. Tout. C'est vrai. Du thé et des boissons hydratantes. Hydration. Oui, c'est ça pour s'hydrater plus rapidement si vous faites du sport. Par exemple, comme un marathon. Voilà, pour Pénélope qui a fait son marathon. Bravo Pénélope. Bravo Pénélope. Elle a complété un marathon aujourd'hui. J'ai mon excellent thé, je n'ai pas besoin d'une. Et, excuse-moi, t'as eu une médaille ou. Peut-être. Une toute petite médaille. Oh, oh là là, idéal pour appeler Fémie en pleine nuit. Non, j'avoue, mais elle est très belle, cette médaille. Très belle. Franchement, c'est... Attends, je vais faire des câlins. Eh oui, je vais dormir avec. Voilà. Eh ben voilà, si vous voulez vous remettre d'un marathon, par exemple, eh ben voilà, il faut s'hydrater avec des électrolytes et des minéraux, par exemple. Cranberry, donc si vous avez une infection urinaire. Une cystite en plus. Voilà, ouais. Si, en cas de cystite ou de déshydratation, ben voilà, cranberry, voilà. Non, mais on est très contents parce que, en plus, moi j'avoue qu'on avait déjà eu quelques petits sachets et je les avais terminés parce que je les utilisais à la salle de sport. J'avais terminé le sachet de ma boisson préférée au lit et on a eu un paquet qui est revenu. Et ben voilà, je suis servi, je suis refait, comme qui dirait. Ah ben c'est celle-là. C'est quoi? Et ben voilà. C'est Lemon Honey and Black Tea. Non. C'était une autre, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, tous les goûts. Moi, là, j'ai pamplemousse sous les conseils d'Adrien. Et effectivement, je me régale. Oui, oui. Je me régale. Donc, en plus, j'adore les pamplemousse. Vous avez la possibilité de cliquer sur un lien en chat ou en description de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube pour avoir accès aux offres spéciales de la Bonne Auberge. Avec Oli Énergie. Merci beaucoup de nous sponsoriser, de nous soutenir. Et je dois vous donner un code que j'ai dans mon téléphone. J'arrive dans quelques instants. Oui, voilà. C'est http://fr.weareholy.com/lba/YouTube. Donc, en gros, l'adresse classique de Oli Énergie sur Internet, /lba/YouTube. Si vous voulez donner un code de promo au moment de votre sortie du shop de Oli, vous mettez LBA et ça vous donnera 10% de réduction sur votre première commande, la toute première, si vous êtes un nouveau consommateur ou une nouvelle consommatrice. Et avec le code LBA5, ça vous donne 5€ de réduction sur votre première commande aussi. Voilà, donc faites pas comme Adrien, par exemple. Utilisez le code. Si, voilà. Utilisez un code, moi. C'est vrai? Bah oui, bon, oui. Ça va, alors. Mais c'est... Ouais, Parce qu'il disait tout à l'heure, vous en avez 10 000, je viens d'en acheter. J'en ai acheté, moi, avec mon propre argent. Il vient d'en récupérer avec son propre argent parce que c'est quelqu'un d'intègre, en fait. Parce que je stream aussi sur Twitch, si vous voulez. Voilà. Écoute, ils rentreront sûrement en contact avec toi dans les semaines qui viennent. Voilà, donc merci encore beaucoup à Oli Energy. Vous connaissez à peu près cette marque, mais on est content qu'ils fassent partie de nos sponsors parce qu'on aime bien quand on a des sponsors qui nous conviennent. Quoi. Donc là, ça nous convient et on est très, très content de les avoir avec nous. Dans le chat, point d'exclamation Oli pour avoir le lien directement. Merci encore à eux de nous soutenir et de nous suivre dans la Bonne Auberge. Et notre deuxième sponsor, on est très content qu'ils nous soutiennent à nouveau, c'est NordVPN. Si vous ne connaissez pas encore le principe d'un VPN, c'est un système tout simplement de navigation sécurisée sur Internet, le plus performant et le plus rapide du marché, NordVPN. Ils ont plus de 6000 serveurs dans 111 pays du monde et vous pouvez ainsi utiliser ce système pour faire comme si vous naviguiez depuis le Danemark, la Chine ou les États-Unis ou le Canada pour consulter notamment votre plateforme de streaming préférée. C'est possible de partager le même abonnement NordVPN sur jusqu'à 6 machines. Donc avec un seul compte, vous pouvez utiliser 6 machines différentes, ordinateur, tablette, téléphone. C'est vraiment très pratique. Et en ce moment, c'est sans risque puisque vous avez une garantie de 30 jours, satisfait ou remboursé. Vous avez le lien dans la description, c'est nordvpn.com/lba, comme la Bonne Auberge. Merci beaucoup à NordVPN de nous soutenir une nouvelle fois et à tout de suite pour l'épisode. Si vous le likez, vous n'hésitez pas à le commenter, le partager.
Et vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches, les aventures trépidantes. Et donc, nos aventurières et aventuriers sont dans la cité condamnée, cet endroit absolument étrange où, visiblement, le temps se passe d'une manière différente, ou alors les gens peuvent être préservés des ravages de la vieillesse. Et vous avez décidé donc de vous mettre en quête du palais des portails, c'est ça ? C'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Oui, ouais. Ah, le palais des portails. Ouais. Palais des portails, qui est donc un endroit que nous on a découvert dans cette cité, mais qui a priori servait à la quitter. Enfin, ça servait c'est des portails quoi. Ouais. Cool. Mais sauf que nous on n'a pas du tout réussi à les activer. D'accord. On se dit peut-être vous auriez une meilleure idée de la manière dont ça marche tout ça. Et on va jeter un œil. La dernière fois qu'on avait utilisé des portails, c'était ça peut servir de point de départ. Il n'y avait pas cette histoire de si on a un schéma pour aller ailleurs. Si, oui, c'était. Ouais. Mais ça, c'était nous, on a des schémas au pire. Peut-être qu'on pourra. Mais ça, c'est les comment dire j'ai oublié. Les cercles de téléportation. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est pas la même chose qu'un portail. Ah, il y a deux faces. Ouais. Un cercle de téléportation, c'est en gros, il y a le sort téléportation. Mm-hmm. Et si tu le fais tous les jours au même endroit, à la fin, ça te crée un cercle permanent. Yes. Et donc, avec le schéma de ce cercle-là, bah, tu peux t'y rendre via la magie. Mm-hmm. Un portail, c'est à peu près le même principe, sauf que ça voyage à travers les plans et pas simplement au même endroit. Les portails, c'est là où il y a ce qu'on a bouché quand il y avait les... Jupiter, c'est ça, ouais. Oui, non, mais même avant... Bon, plein de fois, ouais. Quand alors que le cercle, c'est ce qu'on a à côté de l'école. Oui. Oui. Vous m'avez pas l'air super au point sur tout ce qui est portail et tout. Mais je hyper si, au point. Si, si. Ouais. Okay. Si. On va quand même aller voir, hein, de toute façon. Ouais. 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 Bon, généralement, on est meilleur sur place. Ok. Sur le... ouais. Ouais. Ok. Qui veut me jeter un dé de 20? Moi, je veux bien. Vas-y, jette un dé de 20 et tu me donnes le résultat, s'il te plaît. Avec je peux te donner le résultat, moi. Avec tes dés pipés, ce sera un 20. Si c'est 19 ou 20, tu changes de dé. Non, alors, c'est bon. C'est presque 20, sauf que tu retires le 0. Donc, 2 ? Ouais. Ok. Très bien. Après, là, c'est aucune... Enfin, que ce soit faible ou pas, là, pour ça, on s'en fout. Il n'y a pas d'incident. Alors, tout le monde va me jeter un dé de 10, s'il vous plaît. Apparemment, non. Ouais, puisqu'on va prendre tous des dégâts. Tout le monde me jette un dé de 10. S'il avait fait 3, ça aurait été positif potentiellement, tu vois. Moi, j'ai fait 4 et trépide 3. Ok. 9. Essayez de retenir pair ou impair. Ok. Eh bah, tiens. Tu vois ? Il se passe sur des paires ou impaires, ce man. Il fait 1. Impair pour moi, Alexander, pair. Alors. Un bon pépère. Les personnes qui ont fait un résultat impair, vous rapetissez de votre résultat de dé fois 10 cm. Attends, impair, t'as dit ? Non, pair. Non, impair. Impair. Ouais. Donc toi, tu perds 10 cm, d'accord, par exemple. Trépide perd 30 cm. Ah non, mais il est minuscule. Attends, je perds 70 cm, je disparais. Non, t'es à 20. Et à peu près 90 cm. Ah, t'es une petite personne. Donc là, elle devient vraiment Mina. Mina, elle est grande comme ça. Ouais. Oui. Mina, elle est grande comme ça. Ceux qui ont fait ceux qui ont fait des résultats pairs grandissent. Oh, mais Alexander, du résultat fois 10 cm. Alexander prend 60 cm. Allez, le gros pépère. Bah, moi, t'es gros usé, là. Ah, bah là, je suis. Non, j'ai pris 40 cm. Moi, tu fais 2 m 20. Ouais. Je prends 1 m. T'as fait 10 Donc Birzim fait 2m70 à peu près. Ah, plus, parce que Birzim est grand, il est 1m90, genre. Ouais, donc il fait quasiment 3 m. Il fait quasiment 3 m de haut. Genre de NBA. Et donc ce qui s'est passé, c'est que... 3 mètres de haut. Vous avez vu un champagne de NBA. Une sorte de flash, enfin pas un flash, mais une grande luminosité, genre dans l'arrière de votre champ de vision. Et aussi comme... une brume, la dilatation de l'air quand il y a des mirages. Comme ça. Il y a eu une sorte de dans l'atmosphère, mais vraiment retentissant. Et donc, il y en a qui prennent donc Birzim 1 mètre. Mina, elle rapetisse de 70 cm. Elle est vraiment toute petite. Et voilà. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Ah non, tout ce que je vais décrire, vous l'avez déjà vécu. D'accord. Donc on peut dire, oui, bah, ça arrive aussi, ça. Okay. Voilà, par exemple. Je monte sur le dos d'Alexander. C'est très marrant. Toute petite. Bah, comment tu montes? Sur un... Avec ses poils, vraiment, ouais. Non, mais ça va prendre deux longtemps, jours. Là, ouais, c'est ça. Mais son museau comme ça... Je te mets dans ma poche, sinon. Non, non, je...
Et effectivement, vos effets personnels se sont adaptés. Ouais, bah, c'est vraiment tout ce que vous portez. Sur... Sinon, bah, c'est l'incroyable Hulk. Ouais. Un Bermuda déchiré. L'incroyable Hulk aussi, je pense. Excellent, ça. Allez. Ah oui, il n'aime pas les jeux de mots, Lucien. Je ne sais pas si vous savez. Non. Il déteste ça. J'aime réagir. Voilà. En vrai, il adore. Un peu. Il adore. Je me régale. Bah oui, régale. Oui, j'en fais quotidiennement. Allez. Moi, j'ai pris 20 petits centimètres. T'as pris 20 centimètres. Ça va, c'est tranquille, la routine. Là, ouais. Juste parce que je ne sais plus. Donc, toi, t'as rapetissé beaucoup. Moi, je suis très petite sur le dos de mon chien qui est énorme. Qui est énorme. Mm-hmm. Toi. Moi, j'ai pris 40 cm, donc okay. Je fais genre 2,20 m. Ouais. Et Trépide, donc il est son écuyer Kobold qui fait déjà autour de 1 mètre de haut, il l'a perdu 30 cm. Même pas. Ouais, même pas, un peu moins. Il a perdu quoi, 30 cm? Il a perdu 30 cm. Donc, lui aussi, et du coup. Ouais. Je pense que là, il va venir sur mon épaule, dans le doute. Oh. Un perroquet. D'accord. Non, il aime plus faire ça, c'est ça? Ouais, ça fout. Comme tu veux, si tu veux courir derrière nous, tu peux. Non, il va nous ralentir, là, avec ses petites pattes. Bah ouais. Prends-le encore. Hervé, il a été, parce qu'évidemment, on l'oublie tout le temps, mais... C'est un familier, il n'est pas affecté. Il n'est pas affecté? Non. Hervé, il peut aller sur le dos d'Hervé, si... Hervé, bah, c'est bon. Hervé, c'est... Là, oui, en fait, on ne l'a pas dit, mais j'ai un familier qui est un diablotin qui est autour. Hein. Ah, il virevolte. Ah, qui est un énorme pisseur. Et Corbe, elle a fait quoi, la grande? J'ai perdu 90 cm. Oh, ah ouais. Donc, avec ma toute petite corde de muse. Sa taille de base, c'est quoi, normalement? Je sais pas, je dois faire un 70, un truc comme ça. Un 70, ah ouais, donc là, oui. Ah bah t'es... 80, t'es une taille de... C'est une Mina, quoi. Mina, une belle... Ouais. Mais on voit rien de cette hauteur, ça, tu dois t'ennuyer terriblement, non? Mais moi, je suis habituée. Tu la tiens la voix. Tu la tiens, tu gagnes un point d'inspiration. Faut la tenir. Okay. Très bien, donc vous avancez. S'il te plaît, Elmog, fais-moi un jet de survie. J'ai de survie. Pour tirer, t'orienter, parce que sur les fragments de cartes, les vôtres, c'était ces deux-là. Hein. Ouais, c'est ça. Et le palais des portails, tu sais que c'est... Ouais. Il est, en ça, fait, ça continue. Il est à l'opposé de là où on était quasiment par rapport à ces cartes. Ouais. C'est quelle échelle à peu près? Est-ce que déjà, ils ont plus vieilli. Les bâtiments ont l'air d'être... la carte a l'air d'être à une échelle qui fonctionne. C'est une échelle qui fonctionne, tu... Fais-moi un... Exemple, quand tu nous as dit on est vers cette taverne là, tout en haut à gauche, est-ce que je peux me faire une idée de l'échelle du coup du plan? À peu près quoi, tu vois. Oui, en te basant... Alors, sachant que ne sont pas représentés sur ces cartes, ce qui visiblement servait d'habitation. C'est des bâtiments plus petits que ça. Là, c'est... Vraiment, c'est les bâtisses qui ont une fonction, a priori, dans la ville, qui étaient représentées. Et donc, en te reportant à ça, c'est moi un jet de survie, je dirais aussi. S'il te plaît. Putain, je fais pas des bons jets ce soir. 16. Si vous avez besoin d'aide pour vous repérer, moi, je vois dans le noir et je suis très haut, donc ça peut peut-être vous aider. 16, t'as du mal à estimer. Tu te dirais que ce bâtiment-là de taverne, il doit faire... il doit bien faire 100 mètres de côté. Ah ouais, d'accord. Une belle taverne. Voilà, une belle grosse taverne. Des familles. C'est ça. Et de mon côté, le jet de survie, ça donne un 27 avec le... 25, pardon, avec le bonus... 25 en survie. Ouais. Très bien. Alors, vous avancez et tu es relativement confiant d'être dans la bonne direction. Après une petite demi-heure de progression, vous avez passé sur la gauche des ruines d'un bâtiment qui avait l'air colossal, avec huit annexes. En fait, c'est un grand bâtiment rectangulaire avec huit annexes qui sont disposées tout autour. Et donc, c'est probablement ça et la suite de ça. Et ça, vous savez ce que c'est, normalement, les amis, comme c'est chi. Qu'est-ce que c'est? C'était l'Académie de magie. C'est l'Académie, pardon. Ah, yes. Et vous pouvez constater que pour la plupart des bâtiments, ils étaient faits de pierre. Et là, l'Académie de magie, visiblement aussi, puisque les fondations sont restantes, mais en revanche, vous constatez quand même que tout a été incendié. Dans cette académie de magie, enfin tout le bâtiment. Le reste, c'est des ruines qui ont l'air d'avoir
d'avoir périclité avec le temps, d'avoir de s'être usé ou d'avoir subi des séismes au fil des années, etc. Là, ça a l'air d'être un incendie, donc soit il est naturel, soit il est criminel, mais voilà, c'est, vous voyez quand même des fragments de poutres qui sont cramoisis, enfin complètement, c'est pas cramoisi le terme, mais bon bref, calciné. Calciné. Ouais. Voilà. Dites-moi, l'explosion, vous étiez où pendant l'explosion ? Nous, on était près d'un bassin de... Alors, attendez, parce que tout ça est très vieux. On était près d'un bassin d'Inamandia. D'là. D'Inamandia ? D'là. D'là, pardon. Pardon, c'est un peu chiant à dire en plus. Près d'un bassin d'Inamandia. Vous savez ce que c'est ? Pas du tout. Ah, d'accord. Ok, c'est de... Vas-y, c'était pas. Substance, c'est ça ? Vas-y, fais-toi confiance. Je crois que c'est une substance avec des couleurs changeantes qui ressemble à un style de gaz, mais en réalité, c'est de la magie pure, de l'énergie pure, c'est ça ? Mmh. Ah ça, oui. Ça vous a protégé d'une certaine manière ? Alors, l'inamandla, essence de magie pure. Voilà, bah c'est vraiment écrit minuscule. Illisible sur le truc, mais ouais. On saurait. Est-ce que ça des nous a pattes de mouche. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, dans cette cité-là, il y a différents bassins, des sources d'Inamandla, et a priori, l'activité de cette cité, si je ne me trompe pas, tournait autour du fait de récolter cette Inamandla et de le raffiner d'une manière ou d'une autre, et de s'en servir, et d'en faire presque le commerce, enfin de l'exporter par la suite. C'est peut-être à ça que servait le palais des portails, d'ailleurs. Et donc. Est-ce que ça nous a protégés ou est-ce que ça a contribué à nous mettre dans la situation dans laquelle on est actuellement ? On ne saurait pas trop le dire parce que c'est de l'énergie, c'est de la magie pure dans un endroit où toute magie semble très instable. Mais donc, vous ne savez pas si l'académie... Vous posez toujours les questions de cette manière-là ? C'est parce que je suis très petite. Ah oui, c'est vrai, vous êtes très petite. Pardon, excusez-moi. Je suis moi-même très vexée de ma voix, je ne vous le cache pas. l'académie, elle était là avant l'explosion. Elle était. Nous, on l'a trouvée comme ça. On l'a trouvée comme ça. C'était d'accord, déjà en pas très très bon état quand on est arrivé. D'accord. C'est pas ce qui a causé l'explosion. A priori, non. A priori, non. Et justement, vous progressez et vous continuez toujours à peu près dans cette direction du sud-est. Et justement, vous arrivez aux abords d'un bassin, évidemment, de là, justement. Et effectivement, comme Elmo vous l'a décrit, donc là, ça a l'air assez grand, assez... comme un petit lac, quoi. Et vous voyez effectivement qu'à la surface, ça a l'air d'être liquide. C'est réfléchissant. Oui, il y a par exemple, une ruine en face se réfléchit dans l'image de ce bassin. Mais en approchant, vous voyez que c'est constitué de sortes de volutes de fumée, de gaz. C'est comme un gaz très lourd et qui se voit une fumée qui reste légèrement suspendue à la surface de cette sorte de lac, mais c'est pas vraiment liquide, quoi. C'est un liquide qui est pas un liquide. On vous cache pas qu'on a pas trop oser y toucher plus que ça. Investiguer ça, ouais. Je vais mettre un doigt dedans. Oh yes. Très bien. Quelqu'un qui aime pas la magie, tu vas... Lance-moi un des 20. Ça, combien de doigts tu perds ? Combien de points de vie ? 8. 8. Lance-moi un des 8. C'est pour savoir. 2. Quel doigt tu perds ? Un petit dé. Tu es projeté immédiatement à 20 mètres dans la direction nord. Donc, juste au-dessus, là. D'accord. Bah donc, tu vois, je t'ai dit que c'était cool de pas y toucher à cette ouais, 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 ouais. On aurait pu te prévenir. Mais on n'aime pas se mettre entre un élève et une bonne leçon. Donc, Est-ce qu'il y a des cailloux, des trucs Oui, oui. Je prends un caillou et je me mets à une distance raisonnable et je jette dans le... Un ricochet. Tu vas faire exploser le truc. Et je... T'entends, ça fait... Ok. Il n'y a pas de... Pas de conséquences. Ça semble réagir au vivant. Bah, justement. T'as pas une baie ? Ah non, c'est un soir. Hervé, c'est magique. La baie. Ou alors, on n'est pas obligé d'expérimenter plus. Hein.
Ça a l'air dangereux. Wow. Moi, j'ai appris, c'est bon. Bah après, il va bien falloir qu'on apprivoise l'environnement. Tu sais ce qui est vivant ou pas? On sait pas. Le musper. Oui, alors, c'est un truc de lore que vous avez pas. On a des petits copos. Ah oui. C'est vrai que dit comme ça, c'est normal que ça provoque ce genre de réaction, c'est normal. Il suffirait que quelqu'un se pignole dans la rivière et on aurait le cœur net. Non, c'est pas là. On a des petites fioles. Elles sont où, les fioles de musper? Elles sont là, regarde. Petites fioles de musper. Ah, là, elle est un peu, il est un peu desséché, là. C'est okay. Okay. Ah, il a vécu. Et c'est... D'accord. Et c'est surtout, je sais que c'est bizarre de le dire, mais je le précise, faut surtout pas le boire. Ok, très bien. Voilà. Et c'est devenu habituel à votre époque de se trimballer avec des fioles de musper? Alors non, c'est vraiment une autre petite spécialité. Vous n'imaginez même pas la mode. D'accord. Okay. C'est devenu un porte-bonheur. Ouais. Okay. Ouais. Ok, ok. Non, c'est... Une signature. Ouais. Les mœurs n'ont pas évolué à ce point-là, je vous rassure. Ouais, donc on est à côté sur ce truc-là. Nous, comme on vous le dit, ce qu'on a compris de ça, c'est que c'est de l'essence magique pure, comme vous l'avez vu, assez instable et tout ça. Nous, on n'a pas trop osé s'y frotter plus que ça. On vous invite à vous tenir à l'écart, mais après, si vous voulez expérimenter des trucs, avec Miguel, on aime bien les petits spectacles, etc. Pourquoi pas, hein. Vu que ça ne réagit pas aux objets inertes, on peut en transporter dans une fiole ou quelque chose comme ça. Peut-être. Bah c'était mon idée au départ, mais... Ah, on va pas le faire tout de suite. Moi, à peine j'ai touché, ça a pas... Ouais. Alors, Magic hand. Main du mage. Je sais pas si la main du mage, elle peut ramasser... Quelle est cette langue étrange que vous parlez? Du tafarien. Pareil, on vous invite à éviter de mettre peut-être de la magie, intérieure. On va éviter, oui. Mais c'est vrai que la curiosité, elle est folle. Et puis nous, ça fait des années... Qu'on n'a plus... Après, Hervé, il n'a pas changé de taille. Donc peut-être que lui, il est... Comme tu disais, il peut interagir avec ça. Ce qu'on peut préciser à ce moment-là, c'est que ce n'est pas la seule source d'Inamandla qu'il y a... Oui, d'Inamandla. Oui, qu'il y a dans les environs. Hein, après, d'accord. Mais vous avez... tester un peu de faire de la magie ici. Est-ce que votre pratique de la magie est différente? Peut-être une info importante pour... Ouais. Je crois qu'on peut obtenir des résultats parfois un peu inattendus. Dans l'ensemble, ça se comporte quand même, d'après nos tests, plus de manière à peu près attendue. Ah, ouais. Vas-y, je fais un Eldritch Blast, genre dans... Sur le gaz? Non, mais dans le vide, quoi. Juste pour voir si pour ça tester. Fait... Pour tester? Ouais. Je pouvais pas faire Produce Flame, non. Plus, tu sais faire... Je préfère faire un truc qui va loin de moi qu'un truc qui... Tu sais faire des boules de feu? Ouais. Il a déjà utilisé des boules de feu? Ah oui. Vous l'avez laissé utiliser des boules de feu? Ouais. Bah ouais. Bah déjà, c'est pas eux qui décident de ce que je fais, mais... Non, parce que c'est vraiment le genre de truc, enfin... Il faut... C'est... En règle générale, on demande l'espace, est-ce qu'il y a... Et ça se termine toujours mal. J'ai connu des gens... Ah non, non. Non, mais moi, je peux décider de qui est affecté par ma boule de feu. Et... Donc, ça évite les accidents, justement. Il fait des boules qui sont pas vraiment des boules. Ça a des formes un peu plus... Waouh. Il y a des poches de... enfin, voilà, qui préservent... J'espère que j'aurai l'occasion de voir ça. Alors, on va voir déjà. Et donc, tu tires un Eldritch Blast... Comme ça, dans le vide, là où il n'y a personne, je fais... Dans le bassin ou... Non, vraiment dans le vide, juste pour voir si ça fait un Eldritch Blast normal. En fait, la question, c'était comment se comporte la magie. Voilà, c'est voir si ça fait une grenouille ou si ça fait un Eldritch Blast. Ok. Si je prends 40 cm. Jette-moi un dé de 100, donc 2 dés de 10. Bon. Il y en a un pour les dizaines et un pour les unités. Ah, réponds à ma question. C'est la magie. Il y a un truc chelou. Totalement sauvage. Ok, attends. Un dé de 100, t'as dit. Ouais. 73. Tout se passe normalement. Il est tombé. Ok, bon. Il va se mettre dans une ruine et tout va bien. Ok, ouais. Bon. Et quand même. Donc c'est ce qu'on vous avait dit, mais si tu veux refaire d'autres sorts. Non, mais. Et j'ai rien senti de. Genre, bon. Ok. Non, aucune réaction. Ça a l'air normal. En revanche, quelqu'un d'autre peut me lancer un dé 20, s'il vous plaît. Quelqu'un. Lisa. Vas-y. 16. J'ai eu un 16. Tu perds 16 cm. Non, tu perds pas 16 cm. Tu prends 16 cm. Il y a ce petit blip soudain où vous avez vraiment plus aucune perception. Et ça, les couleurs sont enlevées pendant, et en quelques secondes, ça revient. Et vous l'avez expérimenté une première fois, c'est quand vous pouvez vous téléporter pendant une minute. Bah oui, c'est
On a fait 16 tout à l'heure. Eh ben venez, on avance allez, vite. Salut les losers. Venez, on avance vite, on se téléporte. On en profite un peu. Nous, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on va aller quelque part. Bon, soit on fait ça, soit on joue à chat, mais on peut. Ouais, dites on peut. Pas ce mot à côté de mon chien, s'il vous plaît. Je suis dessus. Pardon. Je suis. Pardon, Alex. J'entends les boulons. Oui. Et ça résonne bien parce qu'il il a pris 60 cm. Je dis le chat, il a pris. J'ai fait haut. Très bien, donc vous contournez par le dessus le bassin. Vous arrivez à en faire le tour au bout d'une minute, donc là les effets de la téléportation s'arrêtent. On est d'accord que c'est celui qui était au milieu, c'est ça? Non, c'est celui qui est en... Oui, c'est ça que je voulais dire, par le milieu, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, merci. Et donc, nous, on vise le très gros bâtiment, le palais radio. Bah... Là, à la base, on visait le palais des portails qui est pour le coup là-bas. Ah, qui est encore plus loin. Ouais. Et le palais radieux, c'est quoi alors? Oui, parce que nous, on a le palais radieux. C'est là où résidait le prince radieux. C'est qui le prince radieux? Le prince radieux, c'est sympa comme nom. Ouais. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a résidé dans cette cité pendant un certain temps et qui avait visiblement une importance. Assez grande pour avoir un palais qui lui était dédié. Et c'est tout ce dont je me souviens à son propos là maintenant. Ça me reviendra peut-être. D'accord. Okay. Nous, on ne l'a jamais croisé. Enfin, c'est des choses qui datent de toute façon de peut-être bien avant notre arrivée. Oui, j'ai conscience que de l'âge des métiers, c'est même de l'âge des merveilles. Hein. Ouais. Oui, mais vous avez quand même des informations. Ah ouais. Vous êtes archéologue. Vous avez plus d'informations que nous sur cette cité. Eh bien, on s'efforce de les partager. Oui, oui. Pense à ton point d'inspi. Alors, non, parce donc, on est perception passive de ton personnage. Des 20... Non, passive. Passive, pardon. Le cadre. Passive. Les indices. Perception passive, 15. Déjà 15. Bah pour les Corbe, je l'ai, c'est 25. 27. 27 maintenant. Ah oui, 27 maintenant. Birzim, tu... Combien la perception passive? Passive, wisdom, entre parenthèses, perception, c'est ça? C'est ça. C'est 13. C'est 13. Toi, 22. Toi c'est 22. En quoi passive? Perception passive. Perception, ouais. Normalement, c'est Mina, c'est 13. Et Izeir, c'est 12. Ça, hein. Ok. Eh bien, Elmog et Corbe, il y a quelque chose qui vous met un petit peu en alerte à l'oreille. Vous entendez des bruits de mastication. Clairement, c'est une très grande bouche, très sale. Beaucoup de bruit en mangeant. Ouais, qui fait beaucoup de bruit en mangeant. Et avec des petits grognements un petit peu monstrueux, un petit peu dérangeants. Il y a un genre de... Le pamplemousse. Mange du pamplemousse, à mon avis. Et ça vient d'où? Et ça vient de... légèrement sur votre gauche. Ah, si t'avais une potion d'agrandissement. Ah, désolé, je l'ai pas. Dans ce cas-là, on en fait part à tout le monde. Ouais. Vous entendez pas, vous, hein? De quoi? Les bruits ignobles. On tend l'oreille, du coup. Vous tendez l'oreille et vous, effectivement, vous entendez, vous distinguez. C'est assez faible, mais vous distinguez ça. On s'en remet à vous, et qu'est-ce qu'on doit faire? On vaut mieux éviter, vaut mieux se battre? Protocole... Protocole danger, il y en a un qui se cache et l'autre qui crame la couverture, comme on a fait tout à l'heure. Là, plutôt la fuite. Nous, dans ces cas-là, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on considère ça comme potentiellement dangereux. Et vous avez déjà croisé cette bestiole? Alors, là, à l'heure actuelle, on l'entend, juste, on a déjà croisé des choses qui faisaient ce genre de bruit, ça n'a jamais été dérangé. Tu peux me faire un jet de nature? De nature, ça marche. Si je me fais Lesser Restoration, ça me remet ma taille? Tu peux essayer. Et tu verras. Ça, je pense que non. Nature, 20 naturels, 25. 20 naturels, bravo. Ouais. Oui, vous avez déjà rencontré ces créatures. Ça s'appelle des canolotes. OK. Et c'est une sorte de fiélon, une sorte de démon. Wow. Ils en ont gros. Est-ce que ça ressemble à ça? Ça ressemble pas à ça. Ça, c'est un élémental d'air. C'est un peu pour lui. Ça, c'est Pablo. C'est Pablo, élémental d'air. Non, ça ressemble... Vous avez déjà croisé. Ça ressemble à ça. Ah, avec la langue dégueulasse, ça y est, ouais. Donc ouais, c'est complètement des canolotes, pardon. J'avais mis. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. On a déjà croisé. On a déjà croisé, c'est pas ouf. C'est pas dingue. On peut les éviter peut-être, du coup. Nous, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on voit qu'il y en a un. Après,
Moi, je serais d'avis. Après, si ça veut se dégourdir les gambettes ou le. Non. Ça veut transpirer. Ah, dis donc. Elle fait 20 cm. 10 cm, normalement, ouais, elle est bien utile. Elle est smart, ça va être. Mais toi, tu fais à peu près 4 m50. Ouais, ouais. Enfin, mais c'est pas vraiment. C'est pas le physique qui est tellement mon point fort de toute façon. Ok. On connaît pas l'endroit. Je pense qu'il est plus prudent d'essayer d'éviter les dangers. Je fais pass without trace. Très bien. Donc passage sans trace en français. Et donc vous pouvez toutes et tous faire un jet de discrétion, puisque j'imagine que vous allez essayer d'être discret. Et vous pourrez ajouter 10 à votre résultat grâce au sort de Mina. En plus du bonus qu'on a déjà. En plus du bonus que vous avez déjà. T'as l'odeur. Alors. Attends, on fait quoi, pardon? Stealth. Moi, c'est pas ouf. Un jet de stealth et vous avez plus 10 au. Je fais vraiment 3 mètres. Alors. Même je devrais avoir un malus. Donc on se rajoute 10, pardon, excuse-moi. Au total. Ouais, tu rajoutes ton bonus de stealth, plus 10 en plus. Ok. Rappel pour les gens que Pénélope a fait un marathon aujourd'hui. Donc si elle est un peu fatiguée, soyez gentils. Ne dites pas, je suis rien. Eh, elle a fait un marathon. Calmez-vous. Je sais pas d'écouter. Oui, non, mais la fatigue est présente. C'est normal. Ça fait 24. Mazette. 26 pour moi. Mazette. 21. Ouais, pas mal. Alors on est sur un petit 17 en tout, là. Ah, du 7. Ouais. Un petit 38. Ouais, 38. Oui. Bah en même temps, elle fait 20 cm. Elle fait 20 cm, elle a un sort qui l'a. Clébar, il fait des jets ou pas? Clébar, il fait des jets, ouais, bien sûr. Ouais, mais il a fait là. Alexander, bah, je sais pas. Et Alexander, il a fait combien? C'est vraiment le. Je suis sur Alexander, il a fait 24. En vrai, là, tout dépend du chien, en vrai. Ouais, mais elle est cachée dans les poils. Hein. Bah, tout va bien. Moi, j'ai fait 31 et Trépide 33. Oh là 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 là. Bon, bah. Magnifique. Bon, il nous faut faire un jet quand même. Mais moi, j'ai fait genre. Ouais, mais c'est un jet de groupe. En fait, le jet de groupe, c'est. Tu fais un peu le. Oh, pardon. En fait, en général, quand il y a. Je donne ma méthode. Quand il y a un adversaire qui peut vous griller, je fais le jet de perception de l'adversaire. Et en fait, je fais une moyenne de au-dessus, en dessous, en dessous. Ok, d'accord. Ouais. Et donc là, vous êtes 1 à être en dessous. Donc. Qui sait. Tu peux tout sauter. Ouais, t'as fait. Mais ça passait. Ouais. Ça passait dans le. Est-ce que ça vous ennuie qu'on passe quand même par le palais radiant? Parce que. Parce que. Radieux. Radieux, oui. Oui, parce qu'on avait noté qu'il y avait des indices. Voilà. Alors, nous, on avait convenu que de toute façon, on essayait de s'entraider. Donc, si vous nous dites que vous avez un intérêt à aller voir dans le palais radieux. Bah, j'ai l'impression que c'est sur le chemin. C'est ouais. Plus ou moins sur le chemin. Par contre, le palais radieux, Elmed, si je me gourre pas, c'est un peu peuplé. Alors, c'est vrai qu'il y a une catégorie de population plutôt. Pas vraiment vivant. Ah, c'est ça. Bon. Ah. Bah, c'est quoi, des squelettes? Moi, à titre personnel, j'ai pas réussi à sympathiser avec eux. Ah. Ni moi, ni Miguel. Je crois que Elmog. Pas Miguel non plus. Ouais. Ouais. Ils ouais. Sont pas sensibles. Non. C'est mais pas on. Très liant, quoi. Ouais. Non. Mais on peut. D'accord, enfin, ils sont comment vis-à-vis de ça? Ça peut attendrir les esprits les plus retors. Les enjailler un peu, peut-être. Non, mais on parle de quel type de. Des morts-vivants. Des morts-vivants. C'est des morts-vivants, oui. Oh, mais nous, ça, oui, on mais connaît ça, hyper plutôt bien. Plutôt spectre, plutôt squelette, un petit mélange. Le voilà, un petit panaché. Ouais, c'est ça, un peu pourri. D'accord, ouais. Littéralement, ouais. Littéralement, ouais. Tu veux quand même y aller? Bah, le problème, c'est que c'est là-bas qu'il y a les indices sur l'arche. De toute façon, on va pas éviter indéfiniment de la castagne, hein, je pense. Je pense qu'il y a une maquette qui nous attend de toute façon, donc. Ah bon, le gros monstre et puis la. Faisons honneur à la saloperie de zombies flars, là, on va aller. Mais moi, je vais être très utile. Et est-ce qu'on essaie de faire quelque chose pour nos tailles, là? Parce que moi, perdre 10 cm, c'est pas dramatique. C'est vrai qu'on aimerait bien que Mina soit de nouveau utile. Vous avez la réponse à cette question, ça dure combien habituellement? Ça dure une heure. Ok. Oh, voilà, ça fait déjà 40 bonnes minutes, non? Petite demi-heure. Oui, mais enfin bon, oui. Le temps qu'on arrive au palais. Le temps qu'on arrive, on fait attend devant. On peut faire une petite pause. On se fera une petite pause. On peut vous faire visiter un petit peu. Et moi, je voulais vous demander, alors, ouais. De quoi vous jouez? Alors, moi, c'est principalement le luth. Ah oui. Et j'ai essayé un petit peu également le. Je cherche un instrument original que je trouve pas là pour l'instant. Le balafon. Ouais. Non, la flûte aussi. D'accord. Et vous avez eu certainement beaucoup de temps pour vous entraîner en étant ici si longtemps, tout seul? J'ai développé mon propre style. J'ai pas énormément de public, malheureusement. Peut-être que vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Après, il y a beaucoup de créatures, donc peut-être il vaut mieux. D'accord. Mais parce que là,
Là, vous avez très grandes oreilles actuellement, et je me dis peut-être que c'est... Justement, c'est, ouais. Tous les sons sont vraiment amplifiés. D'accord. Moi, en tout cas, à l'occasion, ça m'intéresserait bien dans bah, je, que... Ouais. Et ouais. Moi, si je peux me permettre de vous poser une question aussi, je ne peux pas empêcher de remarquer que vous avez toujours vos deux cornes. C'est vrai. Ouais. Ouais, parce que je suis très soigneuse. Ouais. Alors moi, parce que vraiment, moi, je vous raconterai cette histoire plus tard, mais je n'ai oui, vraiment pas fait exprès. Ouais. Hein. Ouais, ouais. C'est une corne de lait que vous avez perdue. J'aurais adoré. Je pense qu'elle était adoré. Malheureusement. Mais il y a vraiment. Je vous conseille pas de perdre une corne. Il y a une perte d'équilibre. Ça va faire très mal en plus. C'est pas très agréable. Vous devez être un peu déséquilibré toujours, non? Il y a toujours un petit peu, et puis il y a le syndrome de la corne fantôme. On a toujours l'impression qu'elle est là. Grâce. Ouais. Est-ce que vous avez une corne plus lourde que l'autre? Alors moi, oui, justement, c'est mon problème. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Non, mais je veux dire habituellement. Habituellement. Tu sais, tu t'en rends plus compte au bout d'un moment. Ouais. C'est comme le poids de tes propres bras, tu ouais, ou pas de, dire. Ouais. 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 Non, ça vous parle pas, si je vous dis le coup. Si, 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 bien sûr. Ah oui, très bien. Donc là, il y a une demi-heure qui passe. Hein, mais moi, je suis au théâtre, hein, je vous écoute, je vous regarde, c'est super. Hein, y a pas si de il problème. Faut, je lui pose des questions de technique un peu. Oui, on peut jouer. Bien sûr, bien sur sûr. Sur son lutte. Ouais. Alors... Vous êtes du même collège, le collège du savoir, et il y a quelque chose quand même qui éveille ta curiosité et qui te surprend agréablement, c'est que son luth, il est fait avec des techniques de luthier, de lutherie, vraiment... Oui, sur 1000 ans. Qui ont 1000 ans. Qui sont vraiment... Parce que vous savez que ça, maintenant, on le fait en nylon, hein. C'est plus du tout... Alors, l'équivalent de ça. Ah, ouais. Ça, c'est terminé, ça, on a cassé le moule, hein, si je peux me permettre. D'accord, parce que là, pour moi, c'est vraiment... c'est de la toute dernière technologie, là, alors j'ai reçu. Ça va vous faire un truc quand vous allez sortir. Ça produit le son le plus pur jamais... Ouais. Et vous avez jamais cassé une corde, rien. Eh bien, non, parce que je... Ouais. Très attention, non, très attention à mes affaires. Préservons l'instrument au maximum. Et d'accord, ce balafon peux... Parce que moi, sinon, vraiment, c'est n'importe quoi. Je peux faire un petit... Ouais, mais là, il y a... les ennemis, pas loin. Ok, ouais, d'accord. Voilà. C'est pour la discrétion, moi, du groupe. Non, mais je dois avoir un petit champ de discrétion, non? Non, ouais. Peut-être pas. Peut-être pas. Il marche pas tous les temps. C'est assez antinomique. Ouais. Champ de discrétion. Il est très mélomane, au cas où vous aurez ouais, pas. Ouais, j'ai l'impression. Ah non, moi, c'est pour le bien du groupe. Et là, l'art musical. Vous reprenez tous votre taille normale. Tu gagnes une bonne inspiration. Ah, yes. Ça y est, vous avez tous repris vos tailles normales. Quelqu'un peut me lancer un des 20? Max, tu l'as pas fait. Allez. 6. Nul. Je regarde. Ouais. Impossible. Attention, ah oui. Là. Faites-moi toutes et tous un jet de sauvegarde de constitution. Mais non. Oh, c'est pas mon fort, ça. Ouf. C'est mon résultat préféré. Oh là là, wow. J'ai fait 5 et 4, quoi. 15. Oh la vache. C'est difficulté 18, sachez-le. Oui, oui. C'est un des 20. Un des 20 plus ton bonus de constitution. C'est-à-dire... Non, 0 pour toi, ouais. Non, saving, ouais. 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 J'ai refait un 20 naturel, donc c'est un 21 pour tu moi. Tu ne seras pas affecté par cette... 15. Ok. Donc c'est raté. J'ai raté. Tout le monde a raté, sauf Elmog. Oui. Ok. Regardez les bisous. Non, mais ça me fait rire. Donc il y a un petit... une vibration dans le sol. Et comme si vous voyez... vous voyez le La mélodie que fait une pièce qui tourne sur elle-même avant de tomber sur une surface plane. Oui, oui. Et ça accélère comme ça. Ça fait exactement ce son-là, sauf que ça résonne depuis le sol. Et toutes et tous, à part Elmog, vous êtes transformés en amphore. En amphore. Ça vous est déjà arrivé. Ouais. Oui, bah moi je fais... moi, pince. Et donc, vous devenez des amphores, vous tombez au sol, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien. Ah, là. Mais vous êtes et Alexander est trépide. Alors, ça aussi. Fait ça. Dans ces cas-là, je sais plus, on peut parler quand on est en amphore et tout, ça fait quelques temps que ça m'est pas arrivé. On peut pas parler, on peut rien faire. On est incapacité, vulnérable à tous les types de dommages. Oh. Vous avez vos points de vie normaux, mais voilà. Et ça dure un tour, donc ça dure 6 secondes. Okay, pendant 6 secondes, tu vois autour de toi, il y a 7 amphores. Ouais. Et au bout de 6 secondes... C'est un fort de cette aventure. Tout le monde reprend sa forme normale. Et on reprend ta forme en disant c'était un temps fort. C'était un temps fort, ouais. C'est un temps fort. Ok.
Et si on était conscient qu'on était vous avez gardé votre pleine conscience plus tard, mais... Donc on avait tous nos sens, on s'est... D'accord. J'ai détesté être une amphore. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça intéressant. Okay, on appelle ça l'amphorage, nous. L'amphorage, bon, ouais. Ouais. Bah, c'est bien trouvé. Cet endroit est vraiment très étrange, c'est ça? Ça nous paraît normal à force. Ça va peut-être finir par être le cas, mais c'est vrai qu'on comprend que ça puisse surprendre au premier abord. Oui, vous, c'est la routine. Pourquoi une amphore, surtout? Je me demande. Pourquoi? Moi aussi, je me demande. Bah, c'est... Ouais, bah, c'est un truc... C'est assez courant, hein, à l'époque. Donc non, on sait pas pourquoi les amphores, mais c'est comme ça. Ok. Alors, en tout cas, c'est super, on a plein de surprises. Vraiment. Ouais, bah, y en aura d'autres après. Il y en a qui sont vraiment... Ou alors on se garde. Il y en a des sympas. Ouais. Il y en a des sympas. On peut être changé dans d'autres objets de maison, de type des sanitaires, des choses comme ça. Il y a très dangereux. Il y a vraiment tout un tas d'ustensiles et d'objets différents de maison ou pas, en lesquels on peut être transformé. Et il y a du dangereux, il y a du pas dangereux. Enfin, je vous le dis parce que vous n'avez pas ma table, parce que ça garde un petit peu de fun, mais il y a des effets où c'est violent, ça fait mal. Il y a des effets où, au contraire, ça vous donne des avantages. Voilà, il y a des effets magiques parfois qui se déclenchent sur vous, alors que vous ne l'avez même pas incanté. Voilà, c'est des choses un petit... Tout est très chaotique, justement. Je déteste cet endroit encore plus que Corinth. Voilà. Ouais, j'imagine. C'est officiel. Le truc qu'on n'a pas eu pour l'instant, c'est l'effet qui te fait sortir instantanément d'ici. C'est assez vrai. J'avais cru comprendre que celui-ci était rare. Celui-là, il a l'air très très rare. Ouais. Et dites-moi, Elmog, on a appris qu'il y avait la dépouille aussi d'un dragon de l'âge des merveilles dans cette cité. Par hasard, vous savez où il est? Ça ne me dit rien, ça. Non, ça ne me dit rien. Non, non, on nous a dit ça à l'extérieur. D'accord. Alors, ça ne nous dit rien du tout. Et je n'ai même pas le souvenir qu'on soit allé chercher, à l'époque, quelque chose en rapport avec une dépouille de dragon. D'accord. Bon, ce palais, on tente? Ben oui, allons-y. Attends qu'on n'est plus des enfants et qu'on ne fait plus une taille ridicule. Oui. Bah moi, j'aimais bien ma taille, moi. On faisait la taille de Mina, merci. Shots fired. Mais d'ailleurs, on n'a même pas testé si c'était... C'est comme quand, tu sais, par agrandissement, sort d'agrandissement, t'as des bonus en force. T'as des bonus sur tes dégâts. Moi, ça se trouve, j'avais des bonus en force. Ouais, mais il vaut mieux que Mina soit... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, si ça nous arrive à nouveau, et que par chance, on est tous plus grands, ça peut... Vous arrivez des blagues de cul, j'imagine. Pas loin des... Ça va, les enfants? Oui, oui. Non, mais puisque c'est si drôle, racontez-le à toute la table. Non, c'est juste qu'on se dit, un dragon, quand même, c'est chaud. Et elle me dit, bon, on est nombreux, quand même. Je dis, oui, c'est vrai, on est 8. Elle fait, ouais, ouais. Et vraiment, à un moment, elle me re-regarde, genre, j'ai eu un éclair de chien. Elle fait, ah oui, 8. Non, mais Daniel DeLewis, ça compte mal. Ça compte mal. Fallait le vivre, fallait le vivre. Là, ouais. Fallait le vivre. Vous arrivez donc aux abords du palais radieux et vous voyez donc se dessiner la silhouette d'une gigantesque bâtisse d'une forme pas exactement pyramidale parce qu'il y a des étages différents et surtout c'est pas vraiment comme avec simplement quatre côtés. Il y en a plus, il y a plus d'angles, plus d'aspérité d'une certaine manière, et l'architecture est comme le reste de l'architecture de ces bâtiments. Ça ressemble à rien que vous ne connaissiez ou que vous ayez vu dans des manuels d'anthropologie ou quoi, ou d'histoire des peuples mortels. Attends, j'en ai lu. Ouais, ça, des pavés et des pavés. Et ce sont vraiment des grosses pierres qui ont l'air d'être réparties de manière assez chaotique. Il n'y a pas vraiment de plan. Et cependant, ça tient vraiment très solidement debout. Et alors que vous êtes aux abords de ce palais, comme Elmog et Elmed vous en ont averti, vous voyez que... au sol et dans les coins des ruines, vous voyez qu'il y a de plus en plus de traces d'ossements et de... Voilà, ça a l'air plus... Il y a un sentiment de mort palpable qui est aux alentours de cette bâtisse. Et il y a une sorte de vent, de courant d'air de vent, de bruit de vent qui retentit. Mais normalement, le bruit du vent est assez aigu. Ça fait des notes plutôt aiguës. Et là, c'est beaucoup plus bas. Beaucoup plus...
comme si ça passait dans d'énormes gorges caverneuses. Et ça retentit quand même aux alentours de ce bâtiment, à peu près comme ça. Et vous voyez des volutes de très, très distendues, une sorte de... Ah, il faut que j'arrête de dire une sorte de... D'un voile presque nuageux, mais très étendu, très effilé, d'une couleur, une teinte légèrement verdâtre. On a déjà observé ça avec le Mok. Ouais. Ouais, c'est... Vous ne l'avez vu que comme c'est ça, le verre. D'accord. Vous êtes... Entre. Vous voulez toujours y aller? Vous y êtes jamais allé? Si, nous, on s'y est baladé, mais comme on l'a dit, à chaque fois, c'était quand même plus ou moins rempli de morts-vivants. On ne s'y est pas non plus attardé plus que ça. C'est vrai que si on se retrouve transformé en amphore au milieu de morts-vivants... Bah, c'est ça, il faut nous comprendre aussi, quoi. Est-ce que c'est des morts-vivants qui détestent les amphores? C'est pas sûr. Oui, je doute qu'ils attaquent des amphores. Ils ont demandé peut-être qu'on peut changer d'autres choses que des amphores et que ça peut être plus dangereux. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Enfin, je veux dire, c'est soit on cherche des indices, soit on reste enfermé ici pour l'éternité. Non, c'était juste pour vous expliquer, voilà, vous montrer notre bonne foi, nous. Oui, bien sûr. Je vous propose de vous dire un petit mot avant de rentrer, de vous encourager, de vous dire que vous êtes tous super et qu'on est vraiment très contents de vous avoir rencontrés, vous aussi. Et je pense qu'on va vraiment passer un moment incroyable à l'intérieur de ce temple. Ça nous touche avec Miguel, ce que tu viens de dire. Et Miguel aussi est le bienvenu. Après, je ne sais pas pour combien de gens Faut regarder, mais tu... Et innocent bystanders, donc ça marche pour... Même pour Miguel. Mmh. Ouais. Wow. Mmh. Avantage à la greatness, voilà, simplement. Vous avez avantage au jet de sauvegarde de sagesse et vous avez 5 points de vie temporaire. 5 ? Oui. Ouais. Et je crois monsieur. Que la personne qui nous les enlève, on a avantage pour l'attaquer après, non ? Oui, c'est vrai aussi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est fait. Attends, que c'est... Alors, il va falloir faire des choix, ma petite corbe. Tout le monde sauf toi ? Ben... Non, c'est qui ? Oui, c'est tout le monde sauf moi. Moi, je suis comme ça, moi. Oh là là, Lucas. Franchement, sinon, attends. Désolé moi, pour Wisdom, je suis bon. Les points de vie, j'en perds rarement. Peut-être... Moi, ça m'intéresse. Peut-être prends-les, parce que toi, tu peux... Je suis dans la même situation que toi. Hein. Wisdom, elle est tout à c'est fait... C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a aucune situation moi, où, je les prends, alors. Où, voyant un collègue bard un peu en galère, j'ajoute quelques accords qui étendent un petit peu le... Tu peux, mais ça étendra pas la portée. Ça étendra pas la portée. Non. Si tu veux faire de l'inspiration bardique, j'ai un jet de négociation. Et je fais des accords. Est-ce que tu peux me jeter un dé de 100, s'il te plaît, Benelope? Regardez-le, il commence. Ah. Petit à petit. Il se frotte les mains. C'est les dizaines et l'autre. Depuis tout à l'heure, en fait, moi, je m'en veux un petit peu parce que après m'être souvenu un petit peu quand je vous ai dit que ça se comportait plutôt bien la magie, en fait, je... Clairement, la dernière fois que j'ai utilisé la magie, ça avait dû un peu m'effacer la mémoire. Je suis désolé. C'est complètement l'inverse. Tu veux des dés de 10 ? 20. Alors le 0, il fait 0. Ouais. Eh ben 80. Tout se passe très bien, normalement. Ah. Comment c'est là? Le coquin. Un malino. Faut faire coquin coquinou. Sur le lait de sang, j'ai l'impression. Bref. Ok. Très bien. Vous êtes tous super motivés. Je suis bien ragaillardi, effectivement. Vous êtes bien ragaillardi par le discours magique de Corb Murphy. Zemardi, let's go. Let's go. Est-ce que y a encore un toit ou alors c'est vraiment en ruine? Ouais, mais c'est très haut. D'accord. Tu peux être très grand. Il y a des endroits où c'est cassé ou quoi? La pierre a l'air brisée à certains endroits, c'est fracturé, je dirais. Mais c'est pas, y a pas de trous, y a rien, y a pas d'endroits qui sont à jour. Pourquoi tu veux faire des travaux Ouais, c'est comme ça. Moi, si je vois un mur défoncé comme ça, ça me fait de la peine. Ouais. Non, je pensais essayer d'aller jeter un œil, repérer un petit peu. Ce qui vole. Il a la maîtrise des outils de charpentier. Ah oui. Et j'ai aussi la maîtrise des outils de charpentier. Ouais. Jamais sans mon marteau. Ouais. C'est comme ça. Et alors que vous êtes en train de dire ça, vous entendez... et des pas lancinants. Et des bruits d'ossements qui clinquent les uns sur les autres. C'est mon copain, ça. Et encore une fois, cette note lugubre et sourde, une sorte de bâillement dans l'air.
Là, ça sent le roussi. Bon, là, c'est les morts-vivants dont on vous parlait, hein, tout simplement. Mmh. Ouais. Quand bon, bah, on parle de combien? Ah, moi, je propose qu'on ouvre la porte, comme ça, on saura. Ouais. Je peux envoyer Hervé. Vous êtes encore à une dizaine de mètres de l'entrée du palais radieux. Et bah, les personnes les plus alertes, donc Corbe et Elmog toujours, vous voyez les silhouettes qui ne sont pas dans le palais. En fait, c'est des morts-vivants qui s'approchent de vous. Et vous voyez effectivement quelques zombies, une petite poignée de zombies, de squelettes, et ainsi que des silhouettes un peu spectrales. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comment? Il y avait une maquette? What? Mais non. Depuis le début. Mais non. C'est pas dedans, donc attendez. Oh, la déception. Ils sont invisibles. Incroyable. Ce monde magique. C'est sublime. C'était tout comme ça, là. Ah. Et c'est vrai que je me disais que vos chaussures étaient un peu passées. C'est... Ça fait Ah, donc ça vanne sur les vêtements? Mais solide, cela dit. Ah, si vous avez pas 900 ans. Il y a 9 siècles, on disait que ça ne se faisait pas de vanille. Il y a d'autres choses que vous ne vaniez pas. Les parents. Voilà, c'est ça. Ni les parents, ni les vêtements, c'est ce qui se disait à l'époque. Et les Miguel. Et les Miguel à l'époque. Trois choses intouchables. Ok, d'accord. Et alors, Miguel, comment il est apparu dans votre vie comme ça un jour? Il est très souvent. On a fait sa rencontre dans ces lieux même. Ah, d'accord. De Miguel? De Miguel, ouais, bien sûr. J'étais avec Elmog, j'étais au plus bas. Oui. Et, cet ami, parce que c'est ce que c'est devenu. Ouais. C'est ce que c'est devenu. Miguel ou Elmog, à choisir? C'est vraiment le genre de question qu'il ne faut pas poser. Enfin, on a un peu de temps, de... pendant que Lucien met la maquette. Disons que c'est pas. Enfin, je les aime pas de la même manière. On va dire. Oui. Je les aime pas de la même manière. Ouais. C'est comme Alexander et les autres, par exemple. Oui. Tu préfères qui, toi, par exemple? Alexander et... Non, mais il y a pas... C'est difficile. Tu vois, donc, la compare. Moi, j'aime les énigmes. Quitte à une intimité physique, peut-être, différente. Oula. Quoi? Dans le mouchoir, parce que la dernière fois, à l'auberge, ils m'ont expliqué que les mouchoirs, ça servait. Ah, non, mais c'est pas ça, je pense. C'est pas ce genre de mouchoir, je crois. J'ose espérer. D'accord. C'est vraiment très sale comme doudou. Bah, je sais pas, je demande. Je vous place un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'il a l'air un peu dur. J'étais en train de discuter. Il est un peu cartonneux. Moi, c'est une question que j'ai... Ça fait 9 siècles que je n'ai pas osé lui poser. Donc, je suis très content qu'il y ait d'autres personnes qui puissent la poser. Nous, on est à nature peinture. Je ne comprends pas vraiment ce que vous... Vous voyez cette fiole? Alors... Est-ce que... Si le contenu tombait sur Miguel, ça vous choquerait? Ça vous dirait que c'est plutôt la routine? Je vous le dis, il en a vu d'autres. 100%, 100%. Ah oui, non, mais il y a une odeur qui ne trompe pas. Non, c'est sûr. On perd partie des rumeurs du Cozy Corner. J'aime vraiment pas la tournure que prennent les choses. Ils sont pas très nombreux. Il n'y a pas des endroits pour garer les carrioles Ah, on croise les dents comme ça. Ah, il y a des spectres, ça c'est pour moi. Oui, surtout beaucoup de monde. Hein. Il y a du monde. Ouais, une poignée, c'est une belle poignée. Il y a 2 secondes, ils ne sont pas beaucoup. Oui, parce que j'avais pas cru qu'il allait continuer à en remettre encore pendant 10 minutes. Je pense que tu l'as fait, en fait. Fini. Ça devient un super gag. Alors après, j'ai presque fini. On va commencer à t'agresser. Après, les squelettes et les morts-vivants, c'est vraiment de la pure merde. Oui, c'est vraiment... C'est très genre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est souvent l'amuse-bouche de Lucien pour faire... Non, là, j'y crois pas. Et là, vous pouvez arriver sur ton... Une créature de 14 mètres de haut. Faites-moi tous un jet de sauvegarde. Moi, j'aime bien être au milieu et qu'il y ait des méchants partout. Twist. Ça fait vous êtes vraiment pleine de ça. Elle se détache facilement les pierres là, des murs ou pas? Tu pourras essayer. Je vous invite à jeter. Regarde, il y en a qui sont au sol là. On va jeter l'initiative, les amis. Jeter l'initiative, bien sûr. Un des 20. S'il vous plaît. Un des 20 plus. Oh, bah, et dans la plus pure tradition, je sais pas si c'est une case de bingo, mais. Ça en est une. Allez. J'ai pas des bonus à l'init, moi. C'est comme tout le monde. Regarde, t'as plus. Ouais, non, j'ai le plus 8, mais sinon, il me semblait avoir. En fait, ça agrège tout. Ah, d'accord. De toute façon, c'est vraiment beaucoup. Izeïr. 22. 22. Corbe. Duchette. Birzim. 3. Oh, ça faisait longtemps. Je vais vous observer un peu. Ben, Mina. Mes repères. 8. 8. Non, oh, bien le geste. Elmog. 16.
16. Ils sont immunisés contre quoi déjà, les spectres et les morts? 13. Les dégâts nécrotiques. Ouais, c'est tout. Et je crois que les spectres... Les spectres, tout ce qui est non magique. Les spectres, dégâts radiants. Oui, dégâts radiants, c'est bien, mais bah, même tous les morts vivants, en fait. Feu aussi. Non? Froid et feu, ça marche bien. Je sais pas, en fait. Ben, je sais pas. Je crois pas m'être déjà battu contre des squelettes. Hein. Ah, si? Ah ouais, on a fait Oui. Septima, elle a levé des squelettes. Ah oui, c'est vrai, mais elle les a tous tués avant que j'ai pu les approcher. Toutes les créatures ont un squelette. Tu l'as fait au cône de froid, parce que moi, je passe pas la nuit. Techniquement, enfin, techniquement, on s'est battu que contre des squelettes, quasiment. Vous avez fait même beaucoup d'études, hein. Ouais. c'était l'art de la science d'il y a 900 ans. Donc oui, mais on connaissait déjà les squelettes, visiblement. En tout cas, on venait de découvrir les squelettes. Ah. Vous avez assimilé hyper vite que ça faisait 900 ans que vous êtes là. C'est quelque chose qu'on a accepté. Ouais. Très vite, là. On vit au jour le jour. Hein. C'est taillisé. Ouais, vous vivez chaque jour comme le dernier. Exactement. Oh, pas ça. Allez, pas la papa, c'est parti. Petite composition à ce sujet. Au bol à fond. Bah, nous, on vient de loin, en tout cas, pour vous voir. Izéhir. Oui, bah je... Ah, pardon. Réfléchis. Et ensuite, ce sera à Corbe. Il y a mon... Ah oui, ouais, c'est vos bonhommes, vos bonshommes. Je suis dans la team. Ah bah oui. D'accord, je suis pas au milieu. Hein. Mais tu voulais être au milieu? Non, mais enfin, en règle générale, je suis pas ni dernier, ni premier. Ah mais là, c'est à 360. Ouais, ok. J'ai aussi une petite composition. C'est marrant, vous connaissez... Ouais. Bah, vous avez eu le temps d'en écrire pas mal. Il y a Miguel sur l'épaule, on est d'accord? J'ai pas fait attention, mais non. On n'a qu'à dire que oui. Il a un Miguel sur l'épaule. Ah, c'est un bout d'armure. C'est de l'armure, mais oui. Mais c'est Miguel, bien sûr. Dis-moi. Je vais aller attaquer lui. Ouais. Ah, c'est... Ouh. Oui. Un petit reggaeton pour nous. Fais un peu de zoom. Les cordes de danse africaine en plus de combat de la bonne auberge. Je pense que Trépide va venir à côté de moi. Hein. Trépide vient à côté de toi, tout à fait. Trépide, c'est le petit kobold. C'est le kobold, ouais, l'écuyer. Trépide, ouais. C'est le sidekick de Izéhir. Il y a Alexander, du coup. Il est Alexander est là, ouais, il est là. Dans le plus futur, gros que Mina. Ouais. Il va m'aider juste. Hein, dans mais, le futur. Pardon, je suis pas habitué à la fiche imprimée. Ah oui, j'ai avantage contre toutes les créatures qui n'ont pas encore agi dans le combat, donc j'ai pas besoin de Trépide en réalité. Peut-être qu'il ira faire autre chose à squelette, pour squelette, ouais. Désolé. Je t'en prie. Bah, s'il veut être chevalier, il va aller s'attaquer tout seul à des... 25 pour toucher. Ça touche, cher ami. Il détruit moi toute cette... Oui. Racaille, j'allais dire. Mais... Ah non, c'est toi en face de moi, putain. Je pensais me réserver un petit peu là, au cas où. En face. Au cas où il y a pire. Je vois pas, attends. Là, pardon. Hop. Là, t'as l'écran ici. Ouais, sinon. Oui, ça, c'est moi. Ah, ça, c'est toi. Ouais. Ouais. 12 dégâts radiants. Et ma première attaque. Je suis méchant quand même. Très bien. Attends, mais je rate ou t'es torpé. Et je suis un naturel sur la deuxième. Non, je crois que c'est une armure par-dessus, non? Enfin, une côte. Un naturel pour la deuxième, bravo. Naturel pour la deuxième. Donc, je vais faire ma sneak. Absolument. Qui est désormais, attends, 3d6, donc 6d6. 3d6, donc 6d6. Voilà. Mais ça, c'est bien. Dis, j'aurais c'est très bien. Tu utilises un spot. Qui a plein de d6 sous poil. Moi, ça me donnait. Le bon pervers. Et... merci. Bon, tu l'es. Bah oui, je trouve aussi. Oh, de la merde. Bravo. Merci. 10. J'ai le droit de relancer un dé. Je vais faire celui-ci. 10, 20... 32, 39 dégâts radiants. Bon. Tu le disperses en un. Allez, en un dégage. Deuxième coup d'épée radiante. Hop là, ça dégage. Ratatata. Voilà, c'était bien. C'était super. Et en action bonus, je vais. Tu vas dash. Je vais me précipiter pour aller. Venir aider Trépide. Ouais. Qui lui va du coup attaquer. Je vais plutôt me mettre derrière pour lui donner avantage. J'attaque en tenaille. Ah oui, bon, je décale juste pour que ça reste dans le... Et Trépide, il fait 20 pour toucher. Ça touche. Et bah, c'est super. Et il fait 13. Point de dommage ? Ouais. Il y en avait 5 en feu, pardon. Il l'éclate. Allez ! It's my boy. J'ai une question. Oui. Les actions de réaction. Oui. Est-ce que là, par exemple, ça peut s'appliquer maintenant là? Ouais. Tu penses à quoi? Tu viens de blaster, tu viens d'exploser un certain nombre de créatures. Ouais. Mais j'ai une certaine distance.
en truc. Le truc auquel tu penses, c'est à une certaine distance. C'est within X feet. 10 feet. Ah ouais, donc c'est ça deux fait cases, deux cases. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oui, ok, pardon. Ouais, bah, tu as raison de poser la question. Lance-moi un dé de 4, s'il te plaît. Ouais. Oh merde. Cela dit, je me dis, j'ai fait que deux cases sur mon... J'ai fait deux. T'as fait deux, très bien. J'ai fait que deux cases sur mon... C'est noté. Second déplacement. Est-ce que tu m'autorises à faire les quatre autres, après? C'est de très... De... Le mien. Attends, oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux le composer comme tu veux. Je vais aller par là, là. Tu vas par là. J'arrive pas à trouver. Okay, ouais. Ça, c'est terrain difficile, non, mais il ouais. Il va sauter en plein attends, c'est des... Ah, pardon, c'est des ruines ou c'est des murs je peux passer au-dessus? Oui, tu peux passer au-dessus. Ok, ok. Il va voler ce gredin. Non, non, je vais pas me cacher, je pense, c'est juste aller attaquer d'autres. Très bien. C'est à Corbe, Murphy. Bien que... Sors-moi mon cône. Ton cône? Oui. Sors-moi mon cône. Alors, c'est ouais, Thunder c'est et Radiant. Wow. C'est vrai. V2. Waouh. Oh oui. Ce qui m'a l'air tout à fait idoine. C'est grand comme ça. Ça prend toute la table. Wow. Allez, allez, je sais pas, c'est la fête. C'est journée porte ouverte, là. Hein. Vraiment, tu peux... Eh ben, pourquoi pas... Ouais. Ouais. Comme ça ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, c'est beaucoup de monde, ça. Ça, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup oui, de c'est monde. Vrai. Alors, donc, choisi, pour ça, il faut gens. Que tu te déplaces ici. Vas-y, faisons ça. Hop. Alors... Et Mina et non. Moi et non, Alexander. Non, parce que je choisis. Tu as choisi aussi, toi? Ok. Et oui. C'est quel sort, rappelle-moi hein. C'est Destructive Wave. C'est ça. Je vais frapper le sol de mon pied. Ok, très bien. Et je vous invite, les petits amis, à faire 17 de... De jet de sauvegarde, de quoi? De constitution. Constitution, allez. Oh. C'est parti. Donc, les squelettes en constitution, ça donne quoi? De la merde. Pas si mal. Raté. Celui-ci. Réussi. C'est tout. Il prend la moitié, quand même. Mais il prend la moitié, ouais. Oh, oui, c'est j'arrive. Je vais faire mes petits dés, moi. Vas-y, fais tes dégâts. Donc, c'est 5d6 et 5d6. Oh, c'est ouais. Ça. J'espère qu'on n'a pas un dragon après. J'espère que le big one oui. Après. Il me semblait que j'avais un dernier D6, mais non, j'ai rêvé. C'est raté veux, pour le spectre et pour le zombie. Ouais. Je vais faire mes thunder avec ça. Et après. Et pour le zombie, radions. Ça va être raté, je pense, hein, parce qu'ils sont... Ah non. Oh, un naturel. Bah, c'est bon. C'est raté aussi. Donc ils vont... C'était quoi ça et lui... Oh, 20 naturels. Donc lui, il réussit. Donc ces deux-là, ils prendront que la moitié. Et ces trois-là, ils prendront tout. Alors tu notes qu'il y a 21 de thunder. Ok. 23 de radiant. Oui, bon. 21 et 23, ouais. Ça nous fait 44, on est d'accord. C'est ça. Même divisé par deux. Allez. Ah oui. Allez. Ciao les moches. Mais vous êtes monstrueux en fait. Voilà. Tu le découvres maintenant. Donc on c'est. On vient de découvrir. C'est une société de ménage à ce niveau-là. Incroyable. Dans le futur. Ah bah c'est plus dégagé déjà. On va même pas avoir le temps de se battre. Moi, je suis parti du mauvais côté, je crois. Oui, tu vas sortir là. Bah alors. Quelle est ton action bonus? Est-ce que tu souhaites faire une inspiration bardique? Qui va jouer après moi? Qui va jouer après toi? Bah, quasiment tout le monde. Hein. Il n'y a que Izehir qui a joué pour l'instant. Elmog, non Mais celui juste après, ce sera Elmog. Eh bah, ben, je l'inspire. Allez, fellow bard. Entre bard. Ouais. Très bien. Parfait. Excellent. Tour. Est-ce que tu souhaites te redéplacer? Parce que là, tu as fait 1, 2, 3... 4, non, je suis bien là où je suis. Je suis bien et bien là où tu es. Ouais. Très bien. Et avant justement de faire le tour de Elmog, il y a cette fameuse créature qui faisait un bruit un peu sombre tu m'as regardé, genre. Et sourd qui arrive par ici. Ah, yes. Voilà. C'était ça le dead 4 pour les gens qui se posaient la question. 1, 2, 3, 4. C'était contenu de ton côté. Ça s'appelle un mange-rêve. Et bien laid. Un mange-rêve. Oh, j'en ai c'est pas ce en fait plus, vous, donc... C'est, ouais. Il vient se mettre à peu près entre vous. À peu près au milieu de vous. Reviens. Là. Il a poussé le chien. Non, pas vraiment, mais... et en il plus, a marché sur la table. Il est incorporel. il passe à travers. Très bien. Et au passage, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, il va... J'avais pas vu qu'il était si près. Ouais. Il avance ou il se téléporte? Non, il vole. Et il n'a pas une petite attaque d'opportunité? Non, non, il partait de là. Ok. Je parle pas de moi, je parle de... De Trépide? Elmog. Elmog. Ouais, enfin, je sais pas lequel c'est. C'est Elmog. Ah, c'est le barbe. Non, non, bah, il l'évite. Tac.
Il va faire une attaque et il pousse un étrange cri de cauchemar. Ah, on va être sourd ou aveugle ou un truc. Toujours, il va m'attaquer moi. Là. Il va le faire une fois sur Corbe. Ouais. Alors, et en fait, j'ai changé de cap. Donc j'ai des avantages pour te toucher, c'est ça? Bah, si c'est une attaque, ouais. C'est ouais. Une attaque. Bah, ça va être raté justement grâce à ça. Waouh! Parce que je fais 15. Pas mal, ma petite cape. C'est 15, ma classe d'armure. Ah, donc ça touche. Oh, tu te sens transpercé par cette. En fait, c'est, ça résonne dans ton cerveau, ça fait comme un acouphène phénoménal. Un acouphène phénoménal ou quoi? Mm-hmm. Oh, non! Je suis là. 11 points de dommages psychiques. Ellie, je peux quand même lancer un Hellish Rebuke? Bien sûr, tu pourras, mais d'abord, il faudra que tu me fasses un jet de sauvegarde de charisme difficulté 16, s'il te plaît. 16 de base, mon gars. Allez, j'ai fait 27. Oh, allez. Avec son cri, non seulement il fait résonner cette énergie dans ton cerveau, mais il y a une espèce de magnétisme, il essaye de t'attirer à lui. Mais tu sais à qui tu parles, là. Exactement. Et tu ne bouges pas d'un poil, en même temps, tu es au contact. Mais bon, bref, tu as quand même résisté à cette... à cet effet-là. Il va le faire aussi une fois sur... Il va le faire un dé. Il va le faire au dé. De quoi il voulait faire quoi? Sur qui, bah, sur qui il fait son attaque. Je pense que ça se joue entre... Donc ça va être 1, 2, 3 ou 4. 4. Ouais, pas mal, ouais. Sur Elmed. Pas mal, ouais. Donc pour toucher... Oh là là, lamentable, je fais 12. Contre ton... Tu dois regarder ma classe d'armure. C'est ouais. Ça. 15. Ouais, donc c'est... Ça ne t'affecte pas. Tu évites cette énergie. En fait, ça fait comme un, tu sais, des ondes qui ricochent dans l'air. Et ça ne t'affecte pas. Mais je le prends mal quand même. Enfin, je peux comprendre. Ouais. C'est pas. Dernière, il a une action bonus. Il va pas se priver. Ça va se tomber sur Elmog, figure-toi. Ouais. Et il te... Ah non, c'est pas sûr. Pardon, ce sera pas sur toi parce qu'il faut que ce soit à 5 feet de lui, donc ce sera sur Mina. Donc en fait, il se tourne vers toi avec son crâne de cheval. il faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de Wisdom, s'il te plaît. Tu as l'avantage grâce au sort de Corbe. Difficulté 16. Ah oui. Ça m'a l'air d'être... Je crois que c'est raté. Heureusement raté. Merde. C'est combien? 10. 10, c'est raté. Bien raté. Hein. Donc, en fait, tu vois son crâne avec ses yeux creux de crâne de cheval qui te fixe comme ça, mais tu te sens happé par cette présence. Et là, d'un seul coup, tu vois que de ses drapés, il sort une main cadavérique. Il y a Malkane qui est en train de pleurer, qui a le visage complètement perclu de peur et de terreur. Et il est en train de serrer cette main cadavérique autour de son crâne. Et tu vois ses doigts qui s'enfoncent et elle pousse un cri. Vous entendez, vous ne voyez absolument pas ça. J'ai avantage sur le fait d'être effrayé. Ouais. C'est pas un effet de peur, c'est un effet psychique, mental. De torture, ok. Ouais. Tu subis 9 points de dommages psychiques. Et tu es considéré comme restreinte. Voilà. Polytrauma. Ouais, comme... oui, bon, je vais te mettre pétrified. C'est l'équivalent. Et ça veut dire, alors... Alors, tu es restreinte et aveuglée aussi. Quand tu es restreinte, ton mouvement devient zéro. Tu ne peux pas gagner de bonus à ton mouvement. Les jets d'attaque contre toi sont à avantage. Et toi, tu as des avantages pour tes jets d'attaque. Tu as aussi des avantages sur tes jets de sauvegarde de dextérité et tu es aussi aveuglé. Génial. Donc évidemment, tu ne vois pas autour de toi, tu échoues automatiquement les jets de perception basés sur la vue. Et les jets d'attaque, les jets d'attaque contre toi sont à l'avantage et toi tu as des avantages. Donc c'est un peu redondant, mais en gros, on a avantage pour t'attaquer, désavantage, tu as des avantages pour attaquer. C'est un sort de concentration. C'est peut-être un sort de concentration. On va lui mettre un bourre-pif. Une claque. Je vais lui mettre un coco, je crois. Ok.
Voilà, c'est la fin de son action. Tu as maintenant... oublié sur Elish Rebuke. Tu as... Vas-y, dis-moi. Autant et donc, c'est Dex 17. Dex 17. Je pointe mon finger et je peux te dire que... que les Elish Flames, ça va y aller. 17, j'ai fait un 12... J'ai fait tout juste 17. Donc, je prendrai la moitié des dégâts. Je t'en prie, fais-les. Est-ce que tu perds ta concentration si tu as concentration? C'est pas un effet avec une concentration. En tout cas, on sait qu'il est pas, du coup, il a pas de résistance au feu, a priori. Enfin, peut-être, mais en tout cas, tu l'avais pas calculé. J'ai raison de le souligner, j'ai pas regardé. Enfin. Mais je prends 6, quand même. Je prends 6. Mon pépère. De feu. Il prend 6. Ok. Vous voyez qu'il est totalement, normalement affecté par le feu. Et une bonne nouvelle. Après, moi, je miserais radiant. Tu as observé que les spectres n'avaient pas l'air particulièrement affectés par le radiant. Ah ouais. Ouh. C'est des spectres salauds. C'est ce que tu fais, à mon ami. C'est des spectres homebrew. Ouais. Non, non. Je sais pas quel autre... C'est leur sous-classe de spectres. Et ici, peut-être que c'est différent. Je pense qu'à l'époque, j'ai été gentil avec vous et je les ai rendus vulnérables alors qu'ils ne le sont pas. Ah, okay. Donc, calme-toi un peu. Okay, okay. Elmog, c'est à toi. Ouais, moi j'ai un truc, moi je me rends pas compte trop de à quel point il faut faire gaffe à ces trucs-là. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas combattu en groupe, tout ça. Le gros truc là, il est très dangereux, il faut faire très attention ou ça vous paraît... Bah, toi t'en as déjà croisé, c'est relativement dangereux. Ouais, c'est pas non plus alors, ce qu'il y a de plus terrifiant. Là on est en plein combat, donc oui, c'est vrai, pardon, on peut c'est pas vrai. Trop parler. Imagine, chaque tour dure 6 secondes. 6 secondes dans la vraie vie. Okay, donc en fait, une action de parler. Quoi. Très vite, je vais, tout va je très vais vite. Lancer un antagonize sur ce machin-là. Super. À quoi ça ressemble quand tu lances un sort? Antagonize, ça fait que je... Alors attends, déjà je peux le faire. Oui, range, c'est bon. Ok, c'est bon. Oui, largement, t'es juste à côté. Donc je lui susurre des... je lui dis en gros que le spectre au fond là-bas, il lui a mal parlé. Ok. Ça l'énerve et il va peut-être recevoir des dégâts psychiques. Ouais. Et il va devoir aller attaquer... Oui, d'accord, très bien. Ah, trop bien, c'est trop bien. Mais il faut qu'il réussisse. Alors il faut... un jet de sauvegarde de quelque chose. Il y a un jet de sauvegarde, ouais, c'est ça. Sagesse. 18. Ouais, 18. Ouh, sagesse 18. Ouais, mais c'est le genre à avoir une bonne sagesse, ça, ouais. Le prix, là. Alors, 11. C'est raté, donc. Allez. Ouais. Allez. Parfait. Donc, je vais prendre tous les dégâts. Oui, et donc, les dégâts, c'est 4D4. 4D4, ouais. Mais je t'en prie. Peut-être, prenez-lui quelques-uns. Bah, énorme, mais... Tiens, j'en ai deux. Oui, mais... Après, juge. Là, non. Toujours 7 prix. Je prépare ton tour, toi. Toujours 7 prix. Merci beaucoup. Ça peut quand même faire 16. Attends, et ça, c'est un D4 aussi. Ouais. Ok. Là, il va prendre une attaque de portée. 4, 5, 6, c'est un 3, ça va. 9, 11. 11 points de dégâts psychiques. Alors, tu observes qu'il n'est pas du tout affecté par le psychique. D'accord, ok. Damn. En revanche, il est affecté... Cela dit, il est affecté par l'autre effet du sort, c'est ça? Par l'autre effet du sort, qui est donc... C'est sur lequel, sur celui-là? Moi, je m'étais dit le plus loin, là-bas, là. Celui qui est un peu... Non, derrière encore. Ouais, derrière encore. Le spectre, ouais. Ok. Très bien, et donc il doit... Ça a pour effet de... Il doit aller lui mettre une attaque de mêlée. Ok. Voilà. Que moi, je peux... À une créature que moi, je peux voir. Et donc, très bien. J'ai l'impression que c'est le cas. Elle a l'air de... Oui, tout à fait. Oui. Donc, il se sent... Il n'y a pas d'attaque d'opportunité quand il se déplace? Mina, Alexander et Corbe. Mina, elle peut attaquer, mais elle a des avantages. Ah, d'accord. Tu peux attaquer à des avantages. Alexander et Corbe peuvent aussi faire une attaque. Oh, ouais, mais quand même. Et comme tu es Warcaster, tu peux faire un sort. Ah, tu as déjà utilisé ta réaction avec le Hellish Rebuke, mais tu aurais pu sinon. Alexander, il a fait un échec critique. Moi, j'ai fait 21 pour toucher avec des avantages. 21, ça touche quand même. Ah oui. Malgré ton désavantage. Ouais. Et... Tu peux faire tes dommages. Et donc, moi, je vais faire une attaque tout de suite sur ce spectre. Ça touche et ça inflige... Après, ouais. Ça lui inflige 14 points de dommages. Plus éloigné, c'était peut-être pas le plus malin, en fait. Il y a plein de et vous c'est très bien. Tu ne pas l'attaquer de loin. Non, si. Si, c'est bien. Ouais. C'est bien, oui. Ça va bien. On va s'occuper aussi des combats. On a des attaques de zone, au pire. Oui, oui. Voilà. Oui, et vous savez que quand on est à portée autour de cette créature, c'est pas bien de rester trop longtemps pas loin d'elle. Bah, c'est pour ça, en fait. Ouais. On a vu dans le regard qu'il y avait un truc genre, ça c'est malin ce que je suis en train de faire.
Je regarde juste l'effet de, sur, dont est victime Mina. Ah oui, est-ce que ça reste maintenant qu'il est plus à 10 pieds? Ouais, justement. À mon avis, non. Eh bien, écoutez. Et non, quand il bouge, la victime est bouge avec lui. Donc. Oh, waouh! Oh. Ah, le, un bon traquenard! Ah oui. Donc, ça, pardon, c'était le. Ouais, j'avais pas. Ça, tu l'avais pas. Ouais, ça l'oublie. Ça s'était pas ça, passé comme ça. Ouais, la dernière fois, ouais, ça n'avait pas été. Et donc, tu n'as pas ton attaque d'opportunité puisque tu. En fait, t'es toujours avec lui, quoi. Ok. Désolé. Du coup, là, ça pose. Il t'emmène partout où il va. Ouais, bah, il a un petit crush. Il a un petit crush sur toi. Oh! J'irai où tu iras, j'ai aussi un petit son. ça me rappelle un petit son à moi. Ouais, non, mais vous avez un sacré répertoire, j'ai l'impression. est-ce que tu souhaites faire une action bonus ou un mouvement? Mais alors, j'ai... Ah, c'est ça ta vengeance, c'est de faire. Oh là là, non, je vais peut-être. C'est quoi, j'ai écran de l'équipe en doux, qu'est-ce que c'est? Merde, attends, je vérifie. Parce que... Alors, déjà, attends, il faut que je me crame un truc de. Ouais. Il a, à mon avis, glandes. Il a les glandes un peu. Ouais. Je sens un peu mes glandes là. Ah ouais, j'avais pas vu. Est-ce que je peux, pour me faire pardonner, je peux éventuellement augmenter un petit peu ta classe d'armure temporairement? T'as l'air d'être dans une. Tu peux. On se connaît pas non plus depuis hyper longtemps, t'es pas obligé. Mais j'ai l'impression. C'est gentil, hein, mais... J'ai l'impression qu'il faut que je me fasse pardonner. Bah, pour le moment, je vois ma sœur en train de se faire exploser, j'ai pas conscience. Mais c'est pas énorme. Hein. c'est pas énorme, mais je peux faire en action bonus, je peux faire un Shield of Faith. Et j'ai l'impression que c'est 60 feet de range, donc ça a l'air de passer. 60 oui. feet, c'est 30, ouais, largement. Ça, ouais. Ça me c'est va. Bon. Donc, ça lui, donc avec ton bouclier de foi, plus que tu invoques, deux, ça donne plus 2 à la c'est classe d'armure bien. De Mina. Ouais, c'est beaucoup, très c'est bien. Très bien. Okay. C'est un symbole, ça ressemble à quoi quand, il y a un symbole qui se met autour d'elle, un voile lumineux. Il y a le signe de la musique, comme j'aime l'appeler, qui est comme ça, moi. C'est la main comme ça qui fait le signe de la musique. Avec, et on entend d'ailleurs un peu une de mes compositions. Ça ressemble à quoi? Non, ça fait « J'ai des petits problèmes ». c'est des petits sons comme ça que je compose. Hein. Non, c'est non, pas, non, mais après, non, mais c'est au débeauté, c'est sur le pouce, quoi. J'entends non, ça non, au fond de mon ouais, voilà, c'est ça. Et je vous dis, ça l'a protégé. Ça fait partie de l'illusion, non? C'est vrai qu'elle a composé ça, mais c'est un classique. Tout le monde chante. C'est vrai? Ah ouais. Ah, putain. Ah, dos, ah ouais. Est-ce que tu souhaites... Ça me leur en fait aussi. Est-ce que tu souhaites te déplacer après ça? Tu as 6 cases de mouvement. Ouais, je vais juste m'éloigner un petit peu de ce squelette qui est tout près de moi. Là, je me rends pas compte. Ouais, c'est ça, donc je vais me mettre... Par là? Ouais, mais j'aurais l'impression vraiment de te laisser dans la merde si je fais ça. Je me mets entre le... Ouais. Ah oui, mais en plus, tu veux pas écouter mes sons. Oui, je me casse. Je laisse, ouais, voilà, c'est ça. Mes sons, tu dis ouais, des sons. Ouais. Je dis mes sons. Ouais, ouais, j'ai un petit son. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de mon flow? Je parle de mon son, j'estime avoir un son ouais. qui est bien à moi. Ton son. Celui du millénaire dernier. Ouais, bah ouais. Mais... bon, vous en avez eu un petit aperçu, hein. Mais... Excellent, excellent tour. Ça va être. C'est quoi ce qu'il y a autour de toi, de ta figurine le... C'est le truc qui dit qu'elle a un état. Ah, non, oui, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Ça va être au squelette. Et là, pardon, j'ai une question complète. Je t'en supplie. C'est là que je coche les cases pour les sorts que j'ai utilisés. Ouais, ça m'a pris un squelette à chaque fois. Okay. Tout à fait. Donc, les squelettes, il est juste là. Hein. Il va attaquer Mina. Merci. Moi, j'ai aucune réaction, tout ça, c'est plus possible, tout ça. Réaction, si. Attends, quand t'es restreinte, tu as une réaction. Hein. D'accord. Non, mais je vais pas l'utiliser. J'aime trop le son qui passe au fond de mon cauchemar. Ouais. et donc, lui, bah, il va s'attaquer à Birzimos. Et voilà, il n'y en a plus que 2. Là, il y a le spectre. Oui, mais c'est le spectre. C'est pas au même tour qu'il joue. Hop. Très bien. Alors, ils vont tenter des attaques. Il est avec avantage sur toi, Mina. Et malgré ça, bon, là, c'est catastrophique. Je fais 14 pour toucher. Ouais, j'ai 21 grâce à Elmog. Eh ben, tu vois, malgré le fait que tu es aveuglé, tu as entendu les os s'entrechoquer et lancer un coup vers toi et... Tu t'es baissé, tu l'as évité aisément. Sur Birzim. 4 naturels au dé, bah excellent. 8 pour tout toucher. Non. Donc même toi, tu fais. Ouais. Ils sont vraiment très lents. tu parviens aisément à l'éviter. Ça va être à Elmed maintenant et ensuite ce sera à Mina. Elmed, c'est à toi. Il y en a un aussi à côté de Corbe.
Ça, c'est un zombie. Ça et ça, ce sont des zombies. De créatures jouent à une initiative. Ah, ah non, non, oui, pardon, okay. Désolé. Je pas... Est-ce que je peux dispel ce qu'il y a sur Mina? Fais-moi un jet d'Arcana, s'il te plaît, avant ça. Arcana. Dans j'ai... les compétences. Ouais. Un dé de 20 plus ton bonus ouais, d'Arcana. C'est dur de le dire à chaque fois. 12 plus 1, 13. 13. Tu dis que ça, ça peut se tenter. Ça se tente. Je me dis que ça se tente. Tu te dis que ça se tente, t'es pas certain que ça marche. Ah, je vais tenter de dispel quand même. Ok. Donc okay. Tu incantes dispel magic? Ouais. Tu dis ça ne fait rien. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a pas d'upcast. Ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Donc dispel. Ah. Très bien. À quoi ça ressemble quand tu lances ton sort de dissipation de la magie? Un geste comme ça, là. Retire la magie. Ok. Et il y a une petite énergie qui sort de ses mains, comme ça. Et ça n'a aucun effet. Je vais t'avoir. Je lui ai proposé de faire un jeu d'arcana, c'est pas de ma faute s'il a non, pas beaucoup d'intel. Bon, bon. Du coup, j'ai perdu mon action. Tu as perdu ton action, mais il te reste une action bonus éventuellement, et aussi un mouvement. Oh, je vais me faire peut-être un... Tu peux aller te cacher. Ouais, t'as vu. Bon, je fais ça. Ouais. Faire un déplacement et te cacher. C'est ce que je vais aller faire. Ok. Par où? Par ici? Par là-bas? Par du cases. Côté de Elmog. Ouais. Dos au mur. Là? Ouais. Ouais. Okay, ouais. Très bien. Et là, bah, fais-moi un jet de stealth, s'il te plaît, pour te cacher. Bien sûr. Oups, pardon. Oh, t'inquiète. Oh, mais ils sont nuls, CD, en fait. Bah, t'en parleras à Miguel. Hein. Ouais. À Miguel. 11. Au total? Bah, 3 plus 8, quoi. Aïe, 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 aïe. Ok, bah tu es caché. Donc, en fait, et tu dis, tu sais, tu laisses dépasser Miguel comme ça et tu dis, hey, tu regardes bien à ma place, hein, tu regardes bien à ma place. Et en fait, oui, vraiment, t'es assez mal. Ah, tous oui, les autres gens voient qu'il y a, en fait, il n'y a rien pour se cacher ici. Donc, ouais. Bon, bah oui. Il est juste accroupi comme ça. Et il dit, je suis caché. À voix haute, très fort. Mina, c'est à toi. Oui, bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah oui, je peux attaquer avec des avantages. Tout à fait. On est d'accord, j'ai 6 cases de déplacement, moi. 6 cases, ouais. Oh, putain, donc je peux pas, là, atteindre... Je suis trop loin, là. Bon, non. Je vais me... Ou alors il faudrait que tu dashes. Ouais, mais je peux rien faire après. Non. Pas de soucis. Chier, putain. Ah non, merde. Pardon. Laisse-moi parler. Oui, mais c'est pour t'aider, de qui. Allez, vas-y, Mina. Ensuite, ce sera... Je me fais protection from evil and good. Très bien, c'est une bonne idée. Oui. Je me fais ça. À quoi ça ressemble, ton sort, quand tu l'incantes? Là, pour le moment... Rien, c'est juste je me touche et je me touche. Et... C'est pas le moment, mais... Devant tout le monde. Et je... Rien, il y a une lumière qui part et juste si ça marche, la vision part et... Ça ne met pas fin du tout à l'effet dont tu es victime, hein. C'est juste que j'ai compris le bien mal. Je veux dire, si moi, j'y arrive pas... Non, t'as raison, pardon, t'as raison. T'as une protection contre ces genres de créatures-là, c'est ça? Oui, ouais. Et j'aurai avantage sur les saving throw. Ouais. Cela dit, elle peut pas être possédée par ce type de créature. Oui, mais elle l'est déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux pas être, devenir, pas, mais ça ne met pas fin à... Je peux pas me désenchanter. Là, tout est KO, mais quand même. Non, mais... Juste la règle, ça dit, si elle est déjà... Sous l'effet d'une de ces créatures, elle aura avantage sur son prochain jet de sauvegarde. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc je fais ça. Ok. Et Alexander, il va attaquer le mort-vivant qui est derrière. Ok. Je vais me mettre sur son. Ah oui, derrière moi. Ok. Il fait 20. Ça touche largement. 27. Merci. Très peu de classes d'armure, ces choses-là. Et première attaque, elle fait 6. Ok. Il arrache une clavicule. Deuxième attaque, elle est critique. Ouais. Parce qu'il fait 19 avec son guerre. Oui, oui, large. Oui, c'est un champion. 4, il fait 12. Il éclate, bah, c'est des nonos hein, pour lui. Oui. Il le fait voler en éclats. Il remue la queue, il est même content. Ah bah, il est ravi. Lui, il a... Et même, il regarde un peu Elmog du coin de l'œil, il fait « Bon, j'ai un chien. » Elmed, pardon. Du coup, c'est bien, le chien. « Bon, j'ai un chien. » C'est maintenant au spectre de jouer. On peut pas se déplacer en diagonale, hein. Je me suis déjà fait. Tout à fait. Le spectre t'attaque toi, Mina. Pas mal, attends.
Avec avantage, puisque t'es aveuglé, restreinte, etc. Il fait du 7 pour toucher. Non. Il rate. Donc. Et celui-ci s'approche de Elmog et l'attaque aussi. Non, je ne l'avais pas vu celui-là, tiens. Et je fais 16 pour toucher contre toi. Moi, j'ai 16 aussi. Donc ça te touche tout juste. Ok. Faut que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution, difficulté 10. De constitution. Ah. Oh, ok, 15. Tu subis nonobstant 7 points de dommages nécrotiques. Ok. Et comme tu as réussi le jet de sauvegarde de constitution, tu ne perds pas de points de force. D'accord. Il passe sa main fantomatique à travers ton thorax. Tu sens que ça te déchire les entrailles de l'intérieur, mais tu arrives à garder ton sang-froid. Mm. Et c'est maintenant. Ah, c'est 7, hein, tu m'as dit, de dégâts. 7 points de dégâts, oui. Et alors, pardon, je suis désolé, je reviens sur un truc. Il y a quelques temps, quand tu nous avais inspiré... Ouais, t'avais gagné 5 points de vie temporaire. C'était 5 points de vie temporaire. Ouais, c'est donc ceux-là qui partent en premier. Je retranche 2 de... Ouais, ouais. Normalement, tu mets les dégâts et ça va d'abord chaper dans les temporaires. Ah, tu n'avais pas ajouté. Ah ouais, ok. Ah oui, j'avais pas suivi à ce moment-là. D'accord. Ouais, donc tu peux les retrancher. J'avais dit combien de dégâts? 5. Ah, 7. Donc là, je prends... En gros, je prends que 2. Ouais, c'est ça. Ça marche. Merci. Ça veut dire que typiquement... Et tu auras avantage pour attaquer celui-là au prochain tour. Vu que c'est lui qui t'a enlevé. De... Ouais. C'est encore l'effet du sort. Ensuite, c'est Tabirzim. Alors. Comme on dit. Oui, c'est une d'intelligence. Oh, ça va partir en boule, ça. Attends, je non, directement. Justement, non, pas forcément. Ah bon. Genre, si je fais 1, 2, 3, 4, 5... Ah merde, 6. Ah non. Tu veux aller où? Ah non, bah putain, je peux pas. Pourquoi? Tu veux quoi? Non, je voulais aller choper Mina et... Ah non, non, il te manque une case, ouais. Ça, on me le dit souvent. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à toi. Je juge son formel. Je pense que t'as bougé les trucs, mais c'est pas grave. Ouais, de toute façon, je fais mes règles. Mais les murs bougent dans ça. Alors, je vais faire une boule de feu, du coup. Ah, oh. Ah non, mais je voulais pas, mais là... Non, mais c'est la surprise, c'est une surprise honnête, tu vois. Ah non, mais en vrai, je voulais pas faire ça. Mais est-ce qu'il y a une config où je peux avoir chopé lui avec? Non, ouais. C'est trop loin. Carrément, regarde. Non. Hop. Regardez sur le retour, il est pas dedans. Pourquoi tu laisses 20 mètres derrière le mange-rêve, là? Ouais, non, non. Je suis pas 20 mètres, regarde. Je suis au bord de son sac. Non, il a... Non, je triche vrai. Pas, hein, non, je déteste tricher. Tu peux brûler le coude. Allez. Non, mais de toute façon, c'est cette zone-là qui est la plus importante. Tu ne brûles pas le coude. Donc, j'ai de sauvegarde de dextérité pour le mange-mort, ainsi que le spectre, ainsi que les autres. Un mange-merde, hein, pour moi. C'est mange-rêve, d'ailleurs. C'est mange-rêve. J'ai dit mange-mort parce que c'est vraiment une franchise qu'on adore, en plus. Est-ce que tu veux savoir la difficulté du... Oui, je veux bien, parce que j'ai fait un bon jet. Eh ben, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai fait 23, donc ce sera pas 23. C'est 17. 17, il a réussi. Et les autres, je pense que quoi qu'il arrive, même s'il divise par deux, ça va dégager. Donc vas-y, je te laisse faire les dégâts. Mais je comprends pas pourquoi Mina, elle se fait pas blaster là dans sa boule de feu. Enfin, parce que tu pourras lui poser la question. Elle est sélective, la boule de feu. C'est sa sous-classe. C'est sa sous-classe de magicien. Ah ouais, mais parce que c'est le dé à moi. Normalement, c'est la boule de feu, bah non, tu l'utilises pas parce que ça va automatiquement... Ah oui, mais quand t'es un petit faiblard, mais quand t'es un boss comme moi, t'as des aptitudes qui permettent de sculpter les sorts. Alors... Oh, mais il y a que des 6 et des 5? Non, pas du tout. 33. Hmm. 33. Hop. Donc divisé par 2, ça ferait 16. Tout le monde prend la totalité des dégâts. Sauf non, vraiment, le mange-rêve. Le mange-rêve a pris la totalité des dégâts. Mais non, il a pris la moitié. Oui, autant pour moi. T'aurais pas dû le dire. Pardon, un dégât. 33. Non, mais c'est... Ouais. Je me rends pas. C'est même pas ce qu'on fait ici. Non, oui. Bah, vous attendiez, il me semble. Oui. Moi, j'ai créé des péripéties supplémentaires. Oui. Tu vas nous chanter un petit truc avant la fin. Oui. Je suis en train de préparer mon banger là, parce que j'en ai tellement. Je me dis qu'est-ce qui. Ça doit être un terme ancien que. Qui se dit plus ça. Oui, pardon, effectivement. Ça se dit peut-être plus trop. Donc, la boule de feu illumine. Okay. Et
toutes ces créatures dégagent. Ouais, mais... Et le mange rêve pousse un cri terrifiant et mais n'est pas mort. N'est pas, enfin, dead. Je me regarde, je lui fais un petit coucou pour dire. C'est Wham. C'était Wham. Non mais ouais. Peut-être qu'il lâche la grappe. Est-ce que tu veux te faire un déplacement? Ouais, je vais aller me mettre là. Tu vas te mettre là, très bien. Oh wow. Et une action bonus? T'en as pas un? Je crois pas. Bah, j'ai une action bonus, mais c'est un sort, donc. Une olive pas... grillée, du coup, parce qu'il a une olive avec le doigt vraiment brillant. Très bien, il me reste un zombie. Est-ce que tu dis un petit truc dans la mêlée en arrivant je vous dérange ou un truc? les punchlines des années 80. Ça peut m'arriver. Genre de personnage ou pas. Ok, le zombie va essayer de t'attaquer quand même, Corbe. Il va mourir. Il essaye de te donner un coup. Ça se tue les corgoules, un zombie ou pas? Ah, bien sûr. Ça se tranche en deux, je pense. Ouais. Jugé. Cependant, j'ai fait du 7 pour toucher. Waouh, miracle. Attends, avec des avantages. Des avantages. Oh, j'ai failli faire un 17 naturel, mais non, pas du tout. J'ai fait 6 pour toucher, donc ça rate. C'est comme s'il était... En fait, vraiment, il a tapé... Ralenti. Vraiment dans le... Formidable, cette cape. La cape, l'illusion qu'il a perçue de toi. Et ben voilà, c'est la fin. Petit pépère. Petit pépère, c'est à Izéhir, et ensuite, ce sera à toi, justement, encore. Mais c'est d'abord à Izéhir. Alors, est-ce que tu peux m'aider à compter le nombre de cases, là? Parce que 1, 2... Pour aller où? Tu veux aller où? Bah, au spectre. 4, 5, 6, tu peux aller là, ou là. Et si je fais le double, je peux aller jusqu'au gros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui. Oh, large, bah j'y vais. Allez, finissons. Oh, je vais me mettre derrière lui pour essayer d'être en tenaille. Tu t'envoles? Oui, oui, tu peux. Ouais. Tu t'envoles avec, avec ton talisman d'Enonia autour du cou. Effectivement, quand j'active mon talisman, j'ai des ailes spectrales de dragon. Ok. Rien que ça. Qui apparaissent. On trouve ça un peu stylé. Ouais, on est un peu c'est le talisman. Ouais, je connais. Nous, on n'a pas voulu le faire parce non, que. Non, bah, ouais. C'est un peu tape à l'œil. Ouais, voilà. Un peu vulgaire. Pas ça noble, quoi. Peut-être que 900 ans dans le futur, vous trouvez ça classe. À notre époque, c'est très tacky. C'est presque mal touché. Ça touche. Beauf, en fait. Juste faire une manœuvre. Oui. Vas-y. 17, 15 dégâts radiants. 15 dégâts radiants, oui. Ouais, ça lui sert. Attends, tu peux dash. Ah, bah oui, comme t'es roublard, c'est ça. Et oui, en action bonus, il peut se précipiter. Mais non, ça lui sera pas fatal, il a beaucoup de points de vie. Et il m'a dit combien 15 Je sais pas, ouais, on sait 15 pas. 15 dégâts radiants. Peut-être qu'il était arrivé à faire un guerre. Il a pris déjà 12, 16. 17, pardon. 16, il a pris 16. C'est raté. Et bah, il est au sol, désormais. Il est désormais au sol. Résistant au feu, c'est ça? Ah, bon, l'inverse de résistant, tu vois, si jamais... Vulnérable. Voilà, ah oui. Tu peux prendre genre, le double, mais genre, on n'a pas déjà vu que... J'ai fait un croix naturel. C'est pas le premier truc qui s'est... Ah non, c'était un... Je vais faire ma deuxième attaque. Il y a eu un truc qui est et donc, avec avantage, puisqu'il est au sol. Hein. Ouais, mais je l'avais déjà. Ah oui, c'est vrai. C'est un vin naturel que je vois, là, sur ton dé? Pas du tout. Ah, pardon. C'était juste 16, cependant. Je fais 27. 27, ça touche, oui, également. Aisément, même. Allez. Ouais. Eh ben, 15 dégâts radiants à nouveau. Superbe. Et Trépide, il va se rapprocher, il va aider Corbe. Je sais pas où j'en vais. Oui, il peut tout à fait. Merci Trépide, mais je m'en sortais très bien. Donc là, le truc, il a pris tous ses dégâts, il est encore, ça va, il est à terre, mais ça va. Autant qu'il sert. C'est une grosse bestiole. Ouais, okay. Corbe, justement, c'est à toi. Bah, je vais tenter de finir l'autre à l'épée, là. Alors que tu dégaines Orgul. Allez, mon Orgul. Oh oui, Corbe. J'ai soif, j'ai faim. Nourris-moi. Son épée, elle. Mais alors, nous, on l'entend pas. Nous, on l'entend pas parler l'épée. C'est que elle. Ouais, mais elle c'est l'épée la plus gênante de l'histoire de la fantasy. Donc mais là, elle lui donne des orgasmes. Donc, ouais. Ah, ok, ok. Enfin, ça, c'est. En fait, quand elle tue avec, quand elle tue avec l'épée, ça fait vraiment une sensation orgasmique et elle récupère la totalité des points de vie de la victime en temporaire. Ça, c'est Et l'âme de la victime est aspirée dans la lame. Après, je fais assez peu de dommages avec. Oui, donc, oui, je sais pas si il était déjà abîmé ou pas. Tu peux faire ton attaque avec avantage. Ça passe aux toilettes. Mais ça va pas faire plus de dégâts. Ça fera pas de... Oui, mais ça se trouve, tu feras peut-être un dommage. Peut-être qu'à faire avant. Et 9, 16. 16, ça touche également. Et elle est aisément, hein. C'est un zombie. Un zomblard. Zomblardos.
Bon bah c'est pas pour cette fois-ci mon Google, je te le dis. 8. Persévère, Corne. Je sens qu'on va bientôt arriver à complétion. Je sens que ça vient. Ça change pas de... Je sens que ça ne change pas de main. Très bien. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus? La bonne auberge est Peggy 18. Est-ce que je peux invoquer ma cornemuse en action? Je crois que... Ouais, je crois bien. Le sort, c'est une action bonus, ouais. 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 Je vais invoquer ma cornemuse. Écoutez, bien sûr. Elle est toujours la bienvenue. Je sais qu'elle vous avait manqué à tous. T'as une cornemuse D'attaque. En fait, c'est Spiritual Weapon, si tu connais le sort. Oui, oui, d'accord. Et ça prend la forme d'une cornemuse. Si t'as joué à Baldur's Gate, tu l'as peut-être vu. Oui. Elle a invoqué niveau 5. Ah ouais. Ah oui. Wow. Ok, donc elle... Elle shine. Pour un zombie. Mais elle est encore là, après. Tu sais, je la garde. Après, ça fait une personne de plus pour se battre. Vas-y, tu peux faire ton jet d'attaque. Allez, ma cocotte. J'ai pas du tout envoyé la sauce, je me suis dit... Il va y avoir un dragon après. 26. Ça va, quoi. 26, ça touche. Ouais. Ouais, et vas-y, fais les dégâts de la cornemuse. Alors là, je... Désolé, on roule. Mais non, encore. Cette foutue cornemuse, là. T'as un petit Pedro. Enfin, t'as... Allez, ça y est, c'est la police. 26. Il éclate en mille viscères au sol. Vraiment le bruit d'une cornemuse. Non, pardon. Ouais. Ouais, mais tu veux qu'on fasse le bruit d'une cornemuse, du vrai bruit d'une cornemuse. Mais je trouve ça très joli. Eh bien, ce sera tout. J'avais l'idée de caler un petit. Tu peux te déplacer si tu le souhaites. Ouais. Encore une minute. La cornemuse, non, ce sera avec. L'idée d'un spectre qui se prend une balayette, c'est quand même ultra. Mais déjà, je trouve qu'un spectre à terre, c'est bizarre. Ouais. C'est bah oui, c'est ça. Ouais, c'est toujours. Pardon, hop, je ne note rien que lui. Le... Il reste un spectre ici. On va te descendre. Et ça. Et le mange rêve. Excellent. Bah justement, le mange rêve, c'est à son tour. Allez. Mange un rêve. Et donc, chaque créature qui commence son tour à 30 pieds ou moins... Vous, Mina et Izir, c'est sûr, mais je vais vérifier pour... C'est pour ça que tu m'as dit que tu veux pas te déplacer et te rapprocher, hein. Non, je pose toujours la question... Non, il est terrible, lui, ça. Mais c'est pas possible, ça, hein. Non, moi, j'esquive juste. Non, je suis à moins de 30. Tout, de tout juste. C'est bon, ouais. Et pareil, donc allez, c'est Mina et Izir. Vous me faites tous les deux... Iséir, j'ai dit, non ? Oui, j'ai rien dit. Ah, pardon. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Vous me faites tous les deux un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ça va. On a avantage, du coup. Vous avez avantage. Jet de voix. Ça va. Oh oui, ça va. 22. 21. Vous n'êtes pas effrayé. Et toi, t'avais avantage, en plus, pour résister. Effrayé ? Ah non, t'es immunisé. Mais je suis immunisé. T'es immunisé, moi, j'ai avantage. Bon, je fais quand même... Très bien. Et vous êtes immunisé pendant 24 heures. Toi, t'es immunisé tout court grâce au talisman d'Enonia. Et donc, toi, tu es toujours aspiré par les volutes de cauchemar. Malgré la baillette. Et donc, tu vas subir de nouveau. Donc là, tu vois encore, t'entends les cris de Malken. Et tu vois qu'elle a des larmes de sang qui coulent de ses yeux et de ses oreilles. J'ai fait Protection from Evil and Good. Prends ça en considération. Ouais, ça fait quoi donc ? Ça fait que les créatures ont des avantages contre toi ? Ouais. Ouais, mais là, c'est pas une attaque, c'est un effet qui continue. Et donc, d'accord, tu subis 10 points de dommages psychiques à cause de ces visions de terreur de ta sœur qui est en train de mourir sans... Super. Sans que tu puisses l'aider. Top. Tip-top. Top. Tip-top. J'entends tip-top. Toujours la musique. Mais j'entends toujours le fond. J'ai des problèmes. Pendant que ma sœur pleure. C'est ça. C'est sûr qu'elle part pas des oreilles. Ici, il a dit en plus qu'elle saigne les oreilles. Voilà. Il se relève. Ouais, elle saigne les oreilles, c'est vrai. Il va faire une attaque contre toi, Izéir. Ouais. 18. Je suis au bouclier, là, maintenant. J'ai arrêté la Yunstone. D'accord. Je suis à 19. T'es à 19, donc ça rate. Ça rebondit contre ton bouclier que tu brandis. Il va faire une attaque sur Mina, puisque c'est facile de l'attaquer. Oh là là, mais 2 et 7 au dé. Bon, ça rate. Il ira complètement. Je peux faire une riposte. Tu peux totalement faire une riposte. En réaction, t'as pas utilisé de réaction encore ? J'ai pas utilisé de réaction, absolument pas. Ensuite, ce sera Elmob. Je fais 23 pour le toucher. Ça le touche. Plus 7, 29 dégâts radiants. Ça lui sera fatal. Ah bah voilà. Je te laisse décrire.
Donc la créature essaye de t'attaquer. Ça rebondit sur ton bouclier. Ouais, exactement. J'utilise mon bouclier et je pense que je passe sous son bras pour aller lui enfoncer mon épée dans l'aisselle. Équivalent de l'aisselle. Dans la gorge au passage. Et vous voyez la lumière de l'épée de Dizeir qui jaillit par la gueule et les yeux de cette créature en plusieurs dizaines de raies de lumière chromatique. Et il se dissipe dans la nuit. Dans la lumière. Dans la lumière, oui, pardon. Ainsi que mon effet. Ainsi que ton effet, oui, bien sûr. Et toi, tu retrouves la vue et tu es sorti de cette vision de cauchemar de ta sœur qui souffre le martyr. Et c'est à Elmog, alors qu'il est encore aux prises avec ce spectre. Ouais, et avec, il y avait une histoire de... J'ai un avantage si je l'attaque, c'est ça parce que... Oui, parce qu'il t'a infligé des dégâts. Non, c'est aussi parce qu'il a infligé des... Ça sert à rien que je vienne. Non, c'est parce qu'il s'est mis derrière, t'inquiète pas. T'as vraiment il a deux attaques sur ce coup-là. Ah oui, donc il aura... Ouais. Alors, il faut que je te notifie quelque chose que tu ne sais pas. Ouais. Les attaques à distance, si t'es au contact, c'est à des avantages. Ouais, ok. Donc après, tu peux... Mais si je m'éloigne, je risque une attaque d'opportunité de sa part. Cela dit, j'ai une épée aussi. T'as aussi une rapière, ouais, tout à fait. Une rapière. Je vais mettre un coup de rapière. Vas-y. Et j'ai un truc, pardon, je suis désolé, il faut que je check ça, je sais plus. Tu as avantage, donc tu jettes 2 dés, j'ai choisi le meilleur. J'ai avantage, mais il y a aussi un truc que je peux utiliser si mon attaque touche. Ah oui, Divine Smite. Oui, c'est ça. Tu peux le choisir si tu touches, mais... Ouais. Bon, Et en gros, tu utilises un niveau de spell slot. Ouais. Enfin, tu utilises un emplacement de sort. Et pour chaque niveau d'emplacement de sort, ça te rajoute un D8 de dommages aux dégâts. Ah oui, c'est vrai. Sachant que là, c'est bon. Là, il est bien en... pas le coup d'utiliser trop de trucs, parce que c'est vraiment de la... A priori, c'est du petit... D'accord. C'est de la chiasse. C'est du menu frottin. Il reste plus que lui, on va l'éclater. Un paladin. On se dit... Il y a enfin un paladin à la table. Ah oui, parce que ouais, c'était ça le... Les bardes paladins. Là, on est... là, tout ça, ça se passe en 6 secondes, donc... mais je vous explique après. Donc, jette 2 D20, c'est ça, déjà, pour voir si ça touche, et je prends le meilleur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bah, le premier est un 20. Ah bah 20 naturel, vas-y, fais tes dégâts. Ah, donc c'est... Alors là, par exemple, si tu utilisais un Divine Smite, mettons, tu dis, ok, je crame un sort de... Un emplacement de sort de niveau 5. C'est 5 D8. Sauf que t'as fait un critique, donc c'est 10 D8 en fait. Ok, d'accord. Voilà, mais bon, ne fais pas ça, c'est pas la peine. Ouais. Sachant que le Divine Smite, tu peux l'activer après ton jet d'attaque. Oui. Ah oui, c'est vraiment... C'est incroyable. Oui, oui. Ouais, ok, trop bien. Donc là, c'est tes dégâts normaux, donc c'est 1 D8 plus 2. Plus 2. Il est monstrueux aussi. Bah, 2 D8 en critique. 2 D8 puisque t'as fait un critique. Et 3, 10, plus 2, 12. Ça lui sera fatal. Oh, wow. Allez. Voilà. Je te laisse décrire comment se termine ce combat. Grâce à moi, ça. Je le transperce avec mon épée. Ouais. Et donc, c'est deux sous les yeux, Sous les yeux de mon pire fan pour l'instant. Mais avec l'épée qu'il transperce et il disparaît, je fais seulement une guitare. Un énorme tocard. Un luth, quoi. Ouais, c'est ça. Un luth, ouais, c'est ça. Je lui fais, et cette mélodie. La mélodie de la victoire. Et cette mélodie, tu l'apprécies ou pas? Et moi, je fais, je me casse direct. Après 3 secondes de silence. Je vais là. Direct. Et bah, j'utilise mon action d'opportunité pour dire, bah non. reviens. Excellent. Et le calme revient. Ah, mais c'était le dernier en plus. Mais oui. Mais oui, c'est comme ça que c'est terminé ce... Ouais, pardon. Super travail d'équipe, tout le monde. Chacun a eu son... Chacun de nous, enfin, vraiment, moi, j'étais là. Miguel va bien. Ouais, tout le monde va... Ouais, oui, ouais. C'était impressionnant, j'ai vu qu'à un moment, t'as fait quelque chose. Ouais, moi, j'ai pas bien compris parce que la magie, j'y connais rien, mais... T'étais plus dans la coordination. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais, là, tu t'es mis contre le mur pour pouvoir bien voir tout le monde. Ben, pour avoir le meilleur, évidemment, oui. Ah, je capte. Et toi, Mina, ça va mieux? T'avais l'air... Non. Mais j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. J'ai pas trop compris. Je voyais. J'ai eu un cauchemar, quoi. Peut-être que je me suis endormie, à mon avis. Bah, la créature était un peu effrayante. T'as suivi la musique, peut-être pour aller mais vers la lumière, c'est ça? Mais j'ai une petite musique, tu m'entends murmurer et je tape un peu du pied. Tu veux une baie? C'est dans ta poche. Ça va en vrai. Je suis pas mal en point, ouais. Vous remettez en route vers le palais radieux. Oui, c'est vrai qu'on était dans cette ambiance. On est juste devant. Antinomiquement lugubre
Et alors que vous êtes sur le point de rentrer dans ce palais, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à toutes et à tous. Bravo. Merci. Bienvenue à nouveau à Médoc et Moguri. Vous avez été super. Et je suis déjà très attaché à ces deux personnages. Trois. Complètement. Oui, c'est vrai. C'est pas, pardon. Non, pas d'offense à Miguel. Désolé. Pas du tout un mouchoir plein de sperme. C'est vraiment un. Je ne prends pas du tout mal. Il casse sa personnalité. C'est une entité. Qui se respecte. Très bien. Merci à toutes et à tous. Merci à nouveau à Oli Energy d'avoir été le sponsor. N'hésitez pas une dernière fois à cliquer sur le lien dans le chat ou en description et à appliquer les codes LBA10, je crois. Non, LBAYT, YouTube. Ils sont dans le chat. Ils sont dans le chat, vous avez tout. LBA5 pour avoir 5€ de réduction sur votre première commande. Merci à toutes et à tous. Les amis, vous avez été formidables. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et jusqu'ici, le dimanche soir, vous aviez le blues. Et Vincent, voilà. Allez, au revoir. Merci. Bonne soirée. C'est la première fois que tu rates. C'est la première fois que je le rate en 4 ans. Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir assisté à cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et abonnez-vous à notre chaîne parce que c'est gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, mais pas très cher, c'est de vous abonner à Patreon si vous avez un peu de sous, que vous avez envie d'investir dans la bonne auberge, mettre un petit peu dans notre charpente. Rendez-vous sur patreon.com/LBA, la bonne auberge. Merci.